Allô ? Allô, bonsoir le petit peu. Bonsoir à tous et toutes, comment allez-vous ? Nous sommes le vendredi 22, combien ? 22 avril 2022, bonsoir à tous et toutes, bienvenue les petits bébous. J'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Ah, il y a Nadicia qui est là, je viens de voir le pseudo de Nadicia apparaître, elle va être très contente de voir que c'est encore du Lego Star Wars ce soir. Bonsoir Nadicia, bonsoir les bébous. J'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver sur le PC, il y a quoi ? Il y a 1 minute 30. Donc je vous prie de bien vouloir, s'il vous plaît, me laisser un peu le temps. Alors regardez, j'étais en train de mastiquer les lunettes. Les lunettes, hein, bien sûr. Voilà, afin qu'elles soient propres. Voilà, merveilleux. Voilà, enfin dans de bonnes conditions pour travailler. Bonsoir les enfants. Donc nouvelle soirée, comme j'ai dit à l'instant, pour Nadicia, afin qu'elle sache qu'elle puisse aller se coucher ce soir tôt. Vu qu'elle déteste le jeu, hein, elle aime pas du tout. Mais tant pis, qu'est-ce que tu veux, Nadicia ? Encore du Lego. Mais oui, encore. Bonsoir les bébés, bonsoir le chat suicidaire, bonsoir. Bonsoir Telport, comment allez-vous les enfants ? Je t'emmerde. Bah écoute, réciproquement, non mais Nadicia c'est un très bon jeu, objectivement. Et les bébous adorent ça, j'adore ça aussi. Et pourquoi on en fait beaucoup en ce moment ? Et d'ailleurs je m'adresse aussi à YouTube, bonjour YouTube, bonjour ça va, hein, la rediff tout ça, dites bonjour à YouTube. Soyez polis. C'est parce que c'est facile à organiser, puisqu'il n'y a aucune organisation à faire, hein, littéralement. Que niveau TikTok c'est pratique pour créer du contenu et surtout... parce que depuis la période récente où le mood a été un peu bizarre pour des événements perso et pas que perso, du coup j'ai pas pu reprendre un rythme propre avec un vrai programme, un vrai planning, un truc bien foutu, bien organisé. Et on compte reprendre ça avec Madame Leclos probablement dès le début de la semaine prochaine. Donc les émissions vont recommencer à varier à nouveau, pas de panique Madame Nadicia, et vous allez avoir à nouveau des contenus vachement variés. Et le but, ça va être en plus de refaire pas mal de choses qui avaient été annoncées il y a déjà longtemps sur la chaîne, mais qu'on n'a pas pu faire jusqu'ici, à savoir refaire l'interface graphique, pas forcément du stream en lui-même, mais de la page de la chaîne Twitch, voilà, ce genre de choses, entre autres, et lancer les nouveaux concepts qu'on voulait lancer il y a très longtemps, de grosses émissions, dont des émissions où vous, le chat, je parle notamment pour les nouveaux qui sont arrivés il y a peu, vous pourrez participer, voilà. Et avant que j'oublie, il y a eu plusieurs follow depuis le stream de lundi, même un petit paquet, non même un gros paquet. Alors je sais plus si j'ai remercié tout le monde, donc dans le doute, Sorizio il était là lundi je crois. Donc le fameux Jérémy, Bobby Stream FR, The Shelby 5, Impero, Valentino, El Pouet, Noc 14 et Mister Creeper 888. Bonsoir à tous et toutes et merci pour le follow les bébous. Voilà, la musique arrive sur la fin, on est vraiment sur des bons timings. Et maintenant le chat, ça va le chat ? Salut YouTube, ah c'est bien des gens polis, Madame va mieux, merci beaucoup Nathanaël de demander. Madame Leclos a eu un... on va dire des nuits compliquées parce que, pareil, il y a beaucoup de personnes qui viennent de débarquer sur le stream il y a peu de temps, donc vous n'avez pas forcément l'info. Mais on fait du pet sitting avec Madame Leclos, donc c'est-à-dire qu'on garde des petits toutous, des petits chats, des oiseaux parfois, et des singes, il n'y a pas encore eu des singes, mais des animaux, à la demande de particuliers, quoi, qui ont besoin de faire garder leur toutou pendant telle période. Et figurez-vous qu'en ce moment, on a un petit caniche, un caniche couplé avec un. Qu'on appelle ça ? Un bichon. C'est un mélange très mignon, bizarrement. Et comment dirais-je, il est étonnamment agréable à garder, surtout pour un petit chien, il n'a pas un caractère très agréable, mais ils ont une relation un peu bizarre avec mon toutou, avec notre petit Pike, ce qui fait qu'ils sont insupportables la nuit et qu'on dort très mal et très peu. Et donc je suppose que c'est ça qui a fait que Madame Leclos, le mal de tête, il a été très très violent, ce qui fait qu'on a passé la soirée à regarder les débats du second tour dans le lit, à être en mode « j'ai envie de crever » et bah, globalement. Du coup ça va les enfants ? Une rude période de désespoir. Non, j'aime pas. Ah, les lunettes, attention, bien sûr, les lunettes, bien sûr. Mais pourquoi des beaux, t'en as pas parlé ? Quoi, t'en as pas... Hein ? Comment ça ? Tu te fais engueuler, Madame Leclos, je crois. Bonjour YouTube, bonjour les bébous. YouTube, oui, ça va, non, bébou, bah c'est super. Ah oui, je sais, c'est trop drôle. Et t'as oublié le mot biscuit dans ta musique à la fin de ton stream de lundi. Ah, merde ! Vous êtes attentif à ce que je devais faire, hein. Mais ça devait être, normalement, lors d'une chanson, si je dis pas de bêtises, Nathanaël. Ah oui ! Regardez, le pack de personnages classiques. Ils ont sorti des nouveaux DLC sur Lego que j'ai pas du tout encore regardé. Hein. Et donc, bah, c'est la sortie du pack notamment classique. Alors, il y a du coup, il y a Luke, Leia, Han, Lando, Dark Vador qui sont, on va dire, les vieux modèles. Les vieilles figurines, vous savez, avec la peau jaune, etc. Voilà. Ah, et le pack Rogue One, nice. Rogue One, évidemment, très bon film si vous ne l'avez pas vu. Pas de spoil, mais très très bon film. Trop bien, des persos que j'adore, moi. Qu'est-ce que je fais aller au magasin ? Pas du tout. Halte encore. Oui, bah c'est bon, j'ai vu. Merci, continue en fait. Bravo. On va faire continuer la partie. Voilà, c'est parfait. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait réussi à finir la prélogie. C'est-à-dire que, voilà, parfait. On avait fini, du coup, les trois premiers épisodes de Star Wars. Donc,
la menace fantôme, l'attaque des clones, ainsi que la revanche des Sith. Alors, je sais pas si vous avez remarqué le titre du live, mais j'ai mis un truc du style objectif 1 million de crédits, et le x2 des pièces, je sais pas quoi. Bah, c'est ce qu'on va faire. Alors, du coup, je vais voir. Je crois qu'il y a un mode où on peut se balader librement. Voilà, jeu libre, parfait. Puisque regardez, au niveau de la menace fantôme, on a 48% 80 sur les trucs débloqués, donc il y a un paquet de trucs à trouver encore. L'attaque des clones, pareil, on a même pas 30%. 55 quasiment pour cent sur la revanche des sites. Donc il y a encore plein de trucs qu'on peut découvrir, plein de quêtes secondaires, et donc on va aller voir un peu le jeu libre. Voilà, parfait. Et le but, ça va être du coup d'atteindre justement les multiplicateurs de crédit. Parce qu'à partir de là, on va pouvoir débloquer plein de pognon, et avec ce pognon, débloquer plein d'autres personnages. Donc, évidemment, les clones. Sectionner planète explorée. Alors comment ça marche? On part sur quoi? Coruscant, Kashyyyk, Geonosis, Kamino, Tatooine, Naboo, Utapao, Mustafar. Faites un choix. Balancez des noms dans le chat. Pendant qu'on discute là, vite fait. Allez-y. Mais oui, du coup, faut qu'on... Mais bon courage alors, merci beaucoup. Il faut qu'on fasse la chanson, hein. Et que je cale le mot biscuit, hein, c'était le dernier live, voilà. Plus les restes de la monucléo, JPP. Ben oui, oui, madame Clo. C'est moi, je crois que sur Discord, si tu savais pas... Oui, je sais bien, t'es le porte, t'inquiète pas. Je sais bien, je t'ai reconnu. Ah, je vais y aller aussi, vu que je suis pas la bienvenue. Mais si, Nadicia, bien sûr que si. C'est que je sais que tu n'aimes pas le jeu, c'est juste ça, Nadicia. T'as le droit, y a pas de problème. Et bien sûr que tu l'as bien vu, tu le sais bien. Imaginez ne pas pouvoir regarder Flo pendant une semaine et demie. Je viens de vivre ça. Mais c'est pas si grave que ça, je suis suicidaire, vous êtes trop gentil. C'est pas grave, les bébous. Ah, y'en a un qui a répondu, c'était le porte. Coruscant. Ah, c'est avec une faute d'orthographe, mais. Oh ! Merci, bébou ! Merci, bébou, Nathanel. Merci beaucoup pour le sub. Merci pour la thune, le pognon, le soutien et tout ce qui va avec. Non, merci beaucoup, c'est adorable. C'est adorable, le streaming, ça paye difficilement, hein, le streaming. Donc, je suis touché. Merci beaucoup. C'est significatif, sache-le. Et c'est en partie grâce à ça que je peux vivre. Ah, mon Dieu, quel vaisseau de merde. Ah, pitié, attendez. Je voulais aller dans l'espace de Coruscant, du coup, vous avez choisi Coruscant. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est? Faut comprendre un vrai vaisseau. Parce que, pardon, mais se balader dans ce merdier, c'est vraiment nul. Est-ce que j'ai des blasters, au moins? J'ai même pas de blaster. Quelle vie de mort! Ok, je me pose, on prend un vrai vaisseau, et on va redécoller, ok? Go prendre un vrai vaisseau, tout de même. Et merci beaucoup, en tout cas, Nathalie. Hein. Si, désolé pour la faute, t'inquiète pas, c'est Coruscant sans E. T'as juste mis un E à la fin, y'en a pas. Et oui, je crois que c'est tout. C-O-R-U-S... Ah, y a peut-être un C. Non, S-C-A-N-T? Non. Non, y a pas de C, je ne suis pas sûr. Bon, allez, la cinématique, là! Voilà, super, merci, on se pose. Parfait. C'est normal, t'es génial, mais vous êtes trop gentil. C'est un truc de dingue. Merci beaucoup, Nathanel, t'es adorable. Mais c'est normal, tu sais, tout le monde n'a pas les moyens forcément de soutenir financièrement. Et vous êtes encore une fois pas obligé. Loin de là. Ouais, ça marche. Mais qu'est-ce que c'est les personnages que j'ai? Quoi? Attendez, mais... Mais donc, bref, je voulais dire, voilà, vous êtes pas du tout obligé de soutenir financièrement les enfants, hein, pas de panique. Mais quand vous le faites, évidemment, c'est le bienvenu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai IG-11 et j'ai ces 3 PO rouillés, mais d'où ils sortent? Je les ai même pas joués. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon? Bah d'accord, bah je... Oh. Il y a les gardes de Coruscant, il y a les gardes de Coruscant. Est-ce qu'ils m'attaquent parce que je joue IG-11 ou pas du tout? Hein? Non? Non, pas du tout, ils sont sympas. Hein. Ils sont noise. Mais du coup, vous voyez, j'ai réussi à les débloquer la dernière fois, enfin la dernière fois, je crois que c'est la dernière fois, les aimants à pièces. Du coup, je chope de beaucoup plus loin. Et je vais aussi débloquer. C'est là le but de la mission de ce soir. Vous voyez, je suis à 868 000 crédits en bas à droite. Le but, c'est d'avoir le pièce x2. Vous voyez, il faut 1 million, donc il me faut en gros moins 150 000 pièces à trouver là. Donc ça va aller relativement vite. Avec des quêtes secondaires, genre de choses. Et je pourrais du coup multiplier par 2 le nombre de pièces que je gagne. Donc mettons que je chope une pièce qui vaut une pièce, littéralement. Bah, je gagnerai 2 à la place de 1. Ce qui peut paraître pas grand chose, mais sur le long terme, ça va donner un paquet de crédits colossal. Et au niveau des personnages. On n'avait pas pu regarder la dernière fois, parce que ça nous avait déjà relancé. Voilà, regardez le pack classique, attendez. Regardez. Classique, j'ai Han Solo classique du coup, vous voyez, avec le skin jaune. Quelle vie. Voilà, c'est un peu rouillé. Je voulais voir du coup, où est-ce qu'ils sont. Ah, voilà les clones. Les bébous clones, clone trooper phase 1, phase 2, commandant Cody, commandant Gris. Commandant qui? C'est qui Dassi? Aucune idée. Voilà, donc il y a Gris, il y a Cody, et c'est tout. Et après, il y a les clones de quelle phase? Clone trooper phase 2. Oui, mais je voudrais voir les différents skins qu'il y a. Je peux voir les autres skins? Costumes? Ah oui! Ok, il y a la 212e, il y a la 41e, la Shock Trooper et la 501e, d'accord? Et pour les phases 1, il y a... j'arrive pas à savoir... Non, ça doit être la 212e, je suis pas sûr. On dirait le Capitaine Rex.
Il ressemble au Capitaine Rex. Le Trooper Capitaine. Je sais pas qui c'est. Comment on le débloque? Attendez, quoi? Il y a marqué quoi? Condition de verrouillage, rumeur introuvable. Oh! D'accord. Clone Trooper Commandant. Mais non, des régiments d'environ 2300 troopers. Ah, il y a même du lore et tout, c'est trop cool! Ok. Ok, ok. Donc le but, ça va être, comme j'ai dit, de choper les pognons. Le pognon, pardon. Multiplicateur x2. Et après, d'acheter les clones, évidemment. Hein. On va voir où est-ce que ça nous mène ce soir. Et puis voilà, puis si jamais on trouve des quêtes principales, enfin plus principales ou plus importantes, on le fera quand même. Hein. Le but, c'est pas s'en priver. On va juste apprendre ces 3 PO quand même, parce que moi je me respecte un minimum. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? On va prendre Cody. Ou alors Gris? On va prendre Gris, tiens. Beau gosse, va! Oh! Oh! Bel homme, hein? Y'a rien à dire, hein? Bel homme, hein? Ah, Java, bonsoir Java, comment vas-tu? Java qui est là pour balancer des codes régulièrement, pour qu'on puisse débloquer les trucs. Java, merci à toi. Comment ça va, mon petit Java? Ah, c'est mon tout premier follow envers un streamer. Enfin, je veux dire, le follow, oui, un sub. Merci beaucoup, Nathanel. Ça me touche de fou, vraiment. Alors, Java, il a balancé un code. X, V, ok. 4. W, N, D, 9. Ok. Double. Non, c'est où? W, N, D, et 9. Mais oui, du coup, voilà, hein, Madame Loco était pas bien, donc forcément, j'ai pas pu. Oh, l'amiral Holdo, ok. Ok. Bah, j'allais vous spoil, mais du coup, non. Mais j'aime bien ce personnage. J'aime bien l'amiral Holdo. J'adore cette planète. Ah, mais moi, Coruscant, pareil. Hein. Full urbanisé. Bon, par contre, c'est dommage, je sais pas si on a accès au niveau inférieur, je crois que si. Sûrement que si. On va regarder quel vaisseau je peux me prendre. Voyons voir. Ah, oui, à gauche. Ouais. Vous voyez, il y a vaisseau stellaire, donc évidemment ce qu'on peut piloter. Micro-vaisseau, c'est avec les mini-kits. Et il y a les vaisseaux amiraux, vous avez vu? L'exécuteur, le Steadfast. Vaisseau de la Fédération du Commerce, étoile de la mort, étoile de la mort 2. Et donc ça là, on peut se les acheter. C'est insane. C'est juste insane. Vaisseau stellaire, on va décoller avec quoi? Oh, il y a la canonnière Wookie. Oh, ça c'est cool. C'est très bien. Ah, R2-D2, du coup, c'est Nathanael, c'est sur l'autre... regardez. Cette scène que tu peux balancer R2-D2. Allez, j'allume les LED. Bienvenue. R2-D2, attends, regarde, je te montre. Quand tu balances des points de chaîne, regarde, bam. R2-D2, où est-ce que c'est? Il est juste là, regarde ça. Ça te fait pour toi, parce que bon, t'as quand même balancé les 750 boules. Voilà, il y a R2 qui passe, c'est énorme, je sais. La technologie, l'investissement de ce streamer, bah je sais bien, je sais bien. Ça m'a pris 1000 ans à faire, donc j'espère que ça vous plaît. Java, ça va, Java? Quoi? Mon stream se remet à charger comme la dernière fois, il y a une semaine et demie, quand on parlait du Pixel Wars. Oh non! Si vous pouvez dire au chat suicidaire de faire F5, ou de fermer et de rouvrir la page, parce que le pauvre, du coup, n'arrive pas à voir le live. Cody, mon bébou, j'y vais à plus, bonne soirée. Gros bisous, Nadicia! Salut tout le monde, comment ça va, Rix? Madame stream aussi? Non, Madame Leclerc ne stream pas du tout. Madame Leclerc me sert de community manager, et accessoirement, c'est ma femme. Hein, chérie? Voilà. Ouais, elle est mignonne. Mais non, elle ne stream pas, Madame Leclerc. Elle est pas du tout de cet univers à la base. Elle, c'est pas une gameuse. Hein. C'est moi qui l'ai converti à ma religion. Ok, donc le yacht, c'est ce qu'on a. Le transport de la résistance, je suis pas sûr que ce soit un très bon chasseur. Skiff, bon, voilà. Le chasseur de l'Anakin, évidemment. Le Razor Crest, bien sûr. Le croiseur de la République, bon, ça s'appelle pas un croiseur normalement. Hein. Chasseur V-Wing, ok. Chasseur de Naboo, d'accord. Chasseur Royal Naboo, chasseur Jedi, oui. Moi, j'ai envie de prendre la canonnière Wookie. Sauf que je suis le commandant Gris. Je trouve que c'est plutôt plutôt cohérent. Moi, ça me plaît bien comme choix. Ou alors je stream avec lui, on va dire Rara en tant qu'invité. Tout à fait. Madame Jo, des fois, participe au stream, effectivement. Let's go. J'ai vraiment IG-11 avec moi, n'importe quoi. Hop. Petite canonnière. C'est vraiment un vaisseau auquel que je m'attendais pas du tout à piloter, mais ça fait sens. Hein. Bah, espace de Coruscant, let's go. Et je vais faire du coup l'espèce de quête là qu'il y avait juste au-dessus dans l'espace. Les grandes anomalies rouges, là, je sais pas à quoi ça correspondait du tout. Ok, alors déjà, est-ce que ça se pilote bien? Ah, le boost là, ouais. Et les canons? Oh! Oh, il est bien! Non, il a l'air bien! Oh, il a l'air pas mal! Moi j'aime bien! Moi j'aime bien! Ok, alors du coup, qu'est-ce que c'est ces choses là? On a un 1000? Pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est pas les combats avec les vaisseaux justement? C'est ça, c'est incroyable. C'est quoi? Bataille spatiale? Si, c'est ça. Oh! Attendez, mais y'a qui? Séparatiste, République Galactique! Oh, vite! Faut les aider! Mais moi je vais les aider, la République, moi! Go, go! J'esquive le missile. Voilà, parfait. Et de 1. Ensuite, le reste. Faut pas que je me trompe, hein, de vaisseau. Voilà. Bien. Parfait. Et donc, du coup, en haut, je suppose qu'on peut faire gagner une des deux factions.
Probablement celle de notre choix. Je crois que c'est ça, hein, dans le trailer qu'ils avaient annoncé, un truc comme ça. Voilà, parfait. Très bien. C'est quoi? C'est comment le lance... Enfin, pour lancer les missiles, je me souviens plus du tout. Il droit? Pas du tout. Oh, puis il y a proton. Ah oui, c'est mon Q. Donc le A. Esquive pilote Jedi. Il est chauve, le bougre. Hein. Sans jugement, hein, d'ailleurs. Hein. On descend. Voilà. C'est impilotable. Hein. Et peut-être un peu trop de sensibilité dans le vaisseau. C'est possible. Hein. C'est possible. Hein. J'avoue que je galère pas mal. Voilà. Allez, on va y arriver. Allez. Allez. J'ai pas de surchauffe sur mon canon. J'ai pas l'impression. Pas l'impression d'avoir de la surchauffe. On va y arriver, hein. Allez, le petit fracteur, là. Nouveau tour. Hop, on esquive. Voilà. Et voilà. Bravo, victoire à la République Galactique. Du coup, j'ai gagné quoi? J'ai gagné 10 000 crédits. Ok. Juste 10 000 crédits, c'est tout. Y a rien d'autre de plus. C'est tout? Juste 10 000 crédits? Oh, c'est un peu décevant, hein. Je pensais qu'on avait débloqué quelque chose ou... Oh, 10 000 crédits, c'est un peu de la... Hein. Pardonnez-moi le terme, mais c'est un peu de la bite. Sur mobile. Ah, merde, t'es sur mobile. Alors, tu peux faire un truc que je suis dire qui est très chiant. C'est, si vous pouvez lui dire, essayer de fermer la page Twitch, ton application, désinstaller l'application et la réinstaller. C'est possible que ça règle le problème. Genre, Evan Libo dise, oui, d'ailleurs, on va le reprendre la semaine prochaine, Madame Leclos. C'est quoi? Encore la même chose? C'est tout? Vraiment, c'est genre que ça? C'est un peu décent si c'est que ça, ma bonne dame. Ou alors... Ouais, géonosien. Ou alors, est-ce que je détruis un certain nombre de vaisseaux et je me retrouve, en fait, avec... comment on appelle ça? Avec le croiseur stellaire qui apparaît, quoi? 5000 crédits, ok. Ah oui, donc en fonction du nombre d'adversaires qu'on a à détruire, on gagne plus ou moins de crédits. Moi, je pense que c'est ça. Regardez. On va attaquer plusieurs patrouilles, comme ça. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a un croiseur stellaire qui va apparaître, un truc comme ça. Ou justement le vaisseau de la Fédération. Faut qu'on essaye. Moi, je dis, faut qu'on essaye. Ok. Si je lance un missile, ça marche ou pas? Non, ok, faut le verrouiller avant. Je saurai. Ouais, j'arrive. Pas de panique. Allez. Moi, je suis genre de War Thunder, hein, donc s'il vous plaît. C'est un autre niveau de difficulté que ça, quand même, hein. Je me la pète alors que je suis genre tier 3 sur les avions de War Thunder. Je connaissais pas War Thunder, c'est un jeu très difficile. Hein. C'est c'est pas forcément de la simulation, mais on s'approche plus de la simulation de chars et d'avions que du mode arcade, quoi. Enfin, tout relatif, mais quand même. Allez. En fait, c'est plus simple quand on se déplace pas. Ah bah, j'ai tiré une roquette pour rien du tout. Enfin, un missile pour rien du tout. Et le dernier. En fait, c'est beaucoup mieux une fois que je le déplace pas, hein, vraiment. Hein. Allez. Ouais. Voilà, combien ça fait crédit? 5000, ok. Et en fait, ça en fait apparaître deux à chaque fois ou est-ce que... regardez, chaque type de vaisseau amiral apparaîtra dans l'espace local spécifique. Si vous ne trouvez rien dans les environs, allez voir ailleurs. Ah. Donc pour l'instant, il ne va pas apparaître dans cette zone. Ok. Et donc si on va dans un autre espace... un autre espace de planète, je sais comment dire ça. Comment on appelle ça? Un autre... C'est pas un espace aérien, c'est un espace spatial, on va dire ça comme ça. On va tomber dessus potentiellement. Ok. T'as vu le vaisseau qui porte des clones ou je sais pas, c'est précis? De quoi, le vaisseau qui porte des clones? La canonnière, tu veux dire? C'est pas si lié, hein. Au bonhomme à droite est tout beau bébé. Oh, mais c'est Maro! Comment ça va, Maro? Maro bébou depuis le temps. C'est chiant. Je suis embêté par des débris. Je suis trop content de te voir, Maro. J'espère que tu vas bien, mon petit bébou. Que toi aussi ça va niveau moral. Bon, du coup, on sait que le vaisseau amiral va pas débarquer, donc on va se poser. On va faire quelques quêtes sur Coruscant. Attendez, parce qu'il y a un troisième truc qui est apparu. Toujours pas, non, c'est toujours rien d'autre que des patrouilles, je pense. Je ne sais pas. Ça va, Maro, du coup? Allez, toi, bébou, ça va, pépouze? Bah, super. Yo, Flo, comment ça va, Skiri? Skatrox, j'ai commencé The Clone Wars et c'est Masterclass. Ah, bah oui! Mais bien sûr! Skatrox, il est justement sur TikTok, c'est un des gars qui est venu récemment, comme pas mal de monde dans le chat actuellement. Et il connaissait pas Clone Wars, il connaissait Star Wars et tout, donc quand il a vu le TikTok où je hurle parce que je vois Cody, réaction normale vous me direz, hein, évidemment, bah je lui ai dit, mais si t'as jamais vu The Clone Wars, fonce voir quoi. Donc je vous le dis à vous aussi, c'est sur Disney+, mais bon voilà, je vous laisse faire, hein. Je vous connaissez internet quand même, hein, comment ça fonctionne, donc c'est trouvable de toute façon. Mais il y a Star Wars The Clone Wars,
qui raconte ce qui se passe, les événements entre l'épisode 2, l'attaque des clones, et l'épisode 3, la revanche des Sith. Et si vous n'avez pas vu cette série, allez regarder. Et c'est, pour vous donner un peu de contexte, Madame le Clone ne connaissait pas du tout quand elle m'a rencontré Star Wars. Et c'est quand elle a fini The Clone Wars qu'elle a dit « Star Wars, je cite, hein, Star Wars, c'est un chef-d'œuvre. » Voilà. Donc, voilà. Si jamais vous êtes sceptique, allez voir. Et Scatrox vient de débarquer pour dire que c'est une masterclass. Donc, j'avais raison. Et voilà. Et là, je suis sûr que Scatrox, là, il va nous dire, il va devenir addict à la série. Et il va plus rien faire de ses journées parce qu'il va vouloir tout regarder. Et il y a genre cette saison, hein. Donc, il y a du contenu, hein. Il y a de quoi regarder, hein. Vrai ou faux ? Du coup, je vais regarder, oui, au fait, pour la canonnière. Effectivement, je vais la regarder s'il est disponible. Mon petit Maro. T'avais pas encore vu mon Mi en haut à droite, mon petit Maro ? Faut que je te montre un peu ce que je peux faire avec, alors. On va regarder pour la canonnière, attendez. Elle doit y être quand même. Si elle y est pas, je vais être très triste. Cargo léger. Oh, ça, c'est le ghost, non ? Java, si t'es là. Non, c'est pas ça. C'est peut-être pas ça, le ghost. Mais je suis quasi sûr qu'il y a le ghost dans le jeu. Pareil, si vous connaissez pas le ghost, c'est parce que vous avez jamais vu la série Star Wars Rebels, il faut que vous alliez voir. Mon chat bug en plus, mais j'arrête. Il envoie des messages avec des bouts de mots en moins. Non, je te rassure, on les voit tous, je suis d'ailleurs, on les voit tous, t'inquiète pas. Il a l'air d'avoir des gros problèmes. Ah oui, ça c'est le vaisseau Gonk, évidemment. Des bonnes références. Où est-ce qu'il est ? Y'a pas la canonnière ? Attends, c'est tragique s'il y a pas la canonnière des clones, hein. Le fameux vaisseau que t'as appelé, hein, le vaisseau qui transporte des clones. Attends, il y est pas du tout, genre vraiment ? Attends, parce qu'il a une forme quand même bien à lui, hein, quand même, la latte, hein. Ça a une forme bien particulière. Attends, je la reconnaîtrai entre mille. Oh, y a pas la canonnière ? Mais je suis choqué, en fait. Oh, surtout qu'il existe en jouet Lego, donc je vois pas pourquoi il serait pas dedans. J'ai envie de clamser. Je vais pleurer. Ah voilà, je vais pleurer. Voilà, plus rien n'a de sens. On arrête ce stream, c'est fini. Au revoir. Oh, je pue le seum. Bah tant pis. Bah tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, je pleure. Influenceur, monsieur Loclo, exactement. Système, merci les enfants, le mot que je cherchais tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai un peu de latence dans le cerveau, donc voilà, un peu de mal. On va regarder un peu la carte et voir ce que je peux faire là, dans les environs. Et la carte, comment ça se passe ? Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça et comme ça. Les touches sont un peu bizarres. Hein. Attendez, qu'est-ce qu'on a ? Personnage, ça veut dire quoi, personnage ? Ça veut dire quoi, personnage ? Je l'ai en bague ou je donne la minimap là, si vous regardez. Non, j'avais pas vu, il est trop pipou MDR. Mais oui, mais attends, regarde Maro, faut que je montre à Maro quand même. Ça, c'est mon Vénator, bienvenue Maro. Regarde. Ça, c'est si je suis très triste. Ça, c'est si je suis en train de rigoler. Ici, Maro, trop drôle. Là, je fais de casting. C'est énorme. Voilà, bienvenue sur Loclo FM. Là, je suis en train de te remercier. Voilà, il y a des petits cœurs, c'est mignon. Là, j'ai peur parce que, au secours, on joue un jeu d'horreur à l'aide. Et là, je suis énervé, colère, gris-gru, au secours, voilà. Bon, on est content, on est bien. Allez. Merde, pas la bonne scène. Excusez-moi. Je vais faire que ça, putain, et mes devoirs qui sont pas encore faits. Ben voilà. Là, voilà, tu pourras dire à tes parents. C'est la faute du streamer Floloclo. C'est un mec sur internet, il est gentil, il fait des blagues des fois. Mais c'est à cause de lui, il m'a dit de regarder The Clone Wars et depuis, voilà, je suis accro. Oh ! Qui me garde à vous ? T'as bien raison. Mais oui, The Clone Wars, c'est incroyable. Jamais descendu plus bas que le quartier. Sénateur Snobinard. Il y a bien trop de vagabonds et de canailles là-bas. Ah bah oui, les canailles ! J'ai vu un homme qui ne portait qu'une seule chaussure. Indécence. Indécence. Vous avez bien raison, mon brave. Imaginez donc vous balader avec les gueux. La populace, la plèbe, les pauvres. Oh, Burke. Ça me dégoûte rien que d'y penser. C'est terrible. Ah, fonctionnaire de transport. Qu'est-ce qui se passe ? Personne sans scrupule volerait un taxi aérien. Oh ! Comment les habitants de Coruscant vont faire maintenant ? Eh oui. Prendre un autre taxi ? Oui. C'est drôle. Bon. C'est certainement une possibilité. Eh oui. Mais ça, excusez-moi bien. Effectivement. Je vous en prie. Aidez-moi à retrouver mon taxi. Allons-y. Allons l'aider. On va retrouver un taxi. Acceptez vous la mission. C'est une aubaine pour cette planète. C'est vrai. C'est vrai. Le taxi était là avant. Mais pas que pour celle-ci, si vous voulez savoir. Le vol a certainement eu lieu récemment. D'accord. Les habitants du coin ont peut-être vu quelque chose. Ok. Allons voir. Très bien, ça me va. Course de taxi. Ok, let's go. Let's go. Oui, je l'ai en Lego. Bah voilà. En même temps, mon téléphone est très vieux, genre 6-7 ans. Ah bah oui, ouais, effectivement. Pourquoi tu prends pas Cody ? Eh bah écoute, vas-y ! Tu sais quoi, regarde, à la place DJ11 machin, là. Hop ! Et je pense qu'on devra changer de personnage régulièrement, parce qu'il va nous falloir des Jedi, des machins comme ça, hein. Des machins. C'est comme ça que je parle des Jedi, moi. Hop, commandant Cody, évidemment, dans la catégorie ouais, héros. Voilà, Cody Y, parfait. Voilà, donc je voulais voir, il y avait marqué personnage ici, regardez.
Ah, c'est pour débloquer un personnage, c'est pour ça, d'accord. Et donc c'était pour débloquer, pardon, les Morelli. Oh, 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 je l'ai refait. Il s'est rien passé, d'accord. On rembobine, regardez. Hop, je le mets là. Zoup, 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 zoup. Oh, personnage, ça veut dire en fait débloquer un personnage. Et là, c'est pour débloquer le chevalier Jedi et la maître Luminara Unduli. Voilà. Il s'est rien passé, d'accord. Il s'est rien passé du tout. La map. Qu'est-ce que j'ai d'autre, regardez. Ah non, attendez, c'est où la quête? Ah, c'est ça la quête, c'est la zone. Zone de recherche, ok. Ok, vas-y, 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 vas-y. On va aller chercher son taxi. Let's go, en fait. Juste let's go. On a quand même des indications hein, sur la zone, c'est quand même pas mal. Ça prendrait un peu de temps. Oh, madame. Qu'est-ce que... On dirait qu'il donne le permis de taxi aérien à tout le monde maintenant. Ah, ah bah non. Chauffard a failli s'écraser sur ce bâtiment. Ah bah c'est le voleur. Où est-ce qu'il sûrement devait bien aller pour être aussi pressé? Madame, contrôle des papiers, nous sommes de la police. Nous allons attraper ce grand man sur le champ. Pas de panique, madame. Gardienne de la paix avant tout. Allons-y. Allons-y, mon brave Cody. Allons retrouver ce malandrin qui fait peur à la populace. La gentille et douce populace de Coruscant. Voilà. Gentille et populace des quartiers élevés. Ce qui n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient de l'argent. On n'est plus savoir qu'à me foutre. Hein. Voilà. Hop, on continue de ce côté. Peut-être que c'est de ce côté. Peut-être pas du tout, peut-être que je me trompe. Je pense que je me trompe, effectivement. Effectivement, effectivement. Ça, c'est mon flair d'enquêteur hein, qui m'a fait me dire que je n'allais pas dans la bonne direction. Et pas du tout le logo de la quête, hein, évidemment. Je connais mon métier. Je connais mon métier. Oh, monsieur peut-être. Peut-être que monsieur. J'ai l'intuition que vous avez quelque chose à me dire. Ah, je ne parle pas votre langue. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ah bah, je... Voilà. Ah, vous êtes un citoyen également, mais... pas de la même qualité que les autres. Enfin, hop là. Hop. On retourne faire voilà, mon travail de gardien de la paix. Voilà. Il y a les Y-Wing. Oui, je crois qu'il y a les Y-Wing. C'est incroyable de me dire, je suis content, c'est bon. Bah oui, mais en même temps, Maro, ça fait 1000 ans que je l'ai. Ça fait plusieurs mois maintenant. Il était toujours pas venu le voir avant. Parce que moi, je ramasse les pièces. Hein, je suis quelqu'un de vénal. Je suis streamer après tout. Mais oui, Maro, c'est génial, les mines. Et encore, t'as pas tout vu. Donc, attends, imaginons. Je crois que je l'ai jamais montré en plus au nouveau. Si je fais ça, attendez. Genre ça là. Pardon. C'est bon, c'est parti, là, l'effet sur la voix, sinon vous allez pleurer. À qui dois-je me plaindre au sujet de ce chauffard? Ah bah voilà! Sans mes réflexes dignes, Piton PD. En tout cas, je serais tombé dans le quartier 12 Crew. Oh non! Les pauvres! Oh mais. Pas de problème, madame. Ouscrew, ben oui! Madame, pas de panique. Gardien de la paix avant tout, nous allons. En plus, regardez où il met ses mains à droite, c'est parfait! Madame, gardien de la paix avant tout. Nous allons intervenir sur votre incident de la route. Capturer ce chauffard à qui nous mettrons une grosse amende, madame. Pas de panique, allons-y. Le contribuable ne se fera pas embêter de la sorte sous ma surveillance. Hop là. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. On ne comprend pas. Continue. Hop là. Qui vais-je interroger? Monsieur, vous êtes tombé par inadvertance? Vous êtes à la recherche de ce chauffard? Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Ah, j'étais sur le point d'y aller pour lui dire ce que je pense, mais vous avez l'air bien plus téméraire. Alors, bien sûr, madame. Téméraire. C'est comme ça qu'on m'appelle, monsieur. Je suis téméraire. Voilà, commandant téméraire, c'est comme ça qu'on m'appelle au quartier. Hop là, je continue par là. Hop là, hein, le tiekar, comme disent les jeunes. Ah, t'es comme un lever de soleil dans mon cœur. Oh, Maro. Maro, tu fais chavirer mon cœur, Maro. Maro, mon cœur balance. Ah, madame le... C'est trop fort. Alors, où est-ce que vous voulez aller maintenant? Hein? Le ciel peut nous arrêter. Ouais, ouais, attendez, je vous casse la gueule une fois que j'ai réconcilié ma relation avec ma femme. Chérie, c'est pas ce que tu crois. C'est que Maro, il est content de voir mon mi. Il trouve ça joli, il trouve ça mignon et tout. Donc il a dit que c'était le rayon de soleil dans son cœur. C'est... Je regarde pas comme ça, chérie, je veux pas dormir dehors ce soir, s'il te plaît. C'est pas très... C'est pas très... Comment? J'irai dormir avec le chien dehors. Je serai avec les deux chiens. Bon bah... C'était mon dernier stream, les enfants. Je vais me faire piquer ma maison, mon PC et tout ce qui va avec. Ah, terrible. Hein. Bonsoir, mon petit Alexis, comment ça va? Je sens qu'il y aura beaucoup de clips de ce live très drôle. Bah, c'est gentil. Hein. Bah écoute, pourquoi pas, ça fera des TikTok. Hein. TikTok qui explose complètement, j'ai bientôt 500 followers alors que... Bah, ça fait, je sais pas, peut-être un mois que j'upload tous les jours. C'est trop bien. Ça monte de fou, TikTok, et vous êtes plein d'être venus sur le live, donc voilà, trop bien. Ici votre zombie du référé. J'ai mangé, j'arrive pas, de soucis, telle porte. As-tu vu ma dépense de points de chaîne? Non, j'ai pas vu. Tu es comme Wine.
J'étais dans ton cœur avant elle, je me bats s'il faut. Oh oh. Non, Maro, retire ce que t'as dit. Fais gaffe, je suis une ancienne boxeuse, moi je suis une malade, c'est vrai. C'est une boxeuse, fais attention Maro. Maro, tu veux te battre moi si je le veux, MDR. Non mais au secours. Oh. Eh, je suis là, je vois ce que vous marquez quand même, hein. Je ne suis pas un objet, je suis un streamer, c'est presque pareil. Mais bon, un peu de respect, merde. C'est fou ça. Ça va moyen mais mieux. Oh, qu'est-ce qui se passe Alexis? Fais gaffe, je suis un danger sur patte. Putain mais vous êtes des malades. En garde. Contrôle des papiers d'identité, à qui appartient ce taxi? Monsieur, madame, pardon. Veuillez ranger cette arme à votre ceinture. Elle est déjà à la ceinture, bon. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Hein? Si vous voulez monter à bord de ce taxi de luxe et absolument pas voler, ouais. Il va falloir payer. Madame? Madame, je suis dans le regret. Ah oui. Ça sera pas donné. Ah oui, ouais, madame, je suis navré de vous dire ça. Et vous êtes en état... Payer le taxi de juste? Acheter ou annuler? Bah non. Alors dégagez. On ramènera pas le taxi si vous refusez de payer. Quoi? Madame, je suis désolé. J'ai un blaster et le mien est pointé sur vous. Alors que vous non. À tout moment, je dégaine, madame. Madame, je ne voudrais pas que cette situation dégénère. Veuillez relâcher ce taxi. Qui est, de manière évidente, paniqué. Regardez-le avec ses petits yeux. Il panique. Madame. Bon, faut que je paye, d'accord. Ouais, d'accord. Allons-y. Oh là là, ça fait mal aux fesses. Hein. Et maintenant, on a un marché. Ouais. Allez, madame. On vous suit. Ah ouais, madame, je vais vous voler votre taxi volé. Voleuse de taxi? Oh, quoi, c'est un boss? Madame. Quoi? Oh, madame. Madame, vous êtes une garde-man. Youpiou. Madame, je vous marave la gueule. Vas-y, Cody, marave-le. Madame, rendez-vous. Madame. Ouais, aha. Madame. Ouais, c'est ça, je suis de la police, madame. Voilà, madame. Youpiou. Youpiou. Ouais, madame. Cody, j'arrive. Boum. Oh, boum. Malandrin. Cody, passe-leur les menottes. Youpiou. Hein? Oh, le fonctionnaire. On a récupéré le taxi, monsieur. Pas de panique. J'arrive. Bravo Cody, aime mon boulot. Madame, vous êtes en état d'arrestation. Cody, tu lui passes les menottes, hein. Monsieur. Mon taxi. Eh oui. Vous l'avez retrouvé. Eh oui. Ils se battent dans le chat, j'arrive. Je paniquez crois pas. Mieux que je n'en sache pas davantage. Oui, bien merci sûr. Merci beaucoup. Bien sûr, pas de problème. Un canon de la paix avant tout. Je ferais mieux de retourner au dépôt avant bien que sûr le responsable n'apprenne la nouvelle. Bien sûr. En plus, c'est pas le premier taxi qu'on ah me vole. Faut vraiment que je pense à pas laisser les clés sur contact. Ah oui, oui, va falloir passer à changer de métier aussi, monsieur, peut-être, hein. Peut-être, hein. Bon, voyez, moi, je suis de l'armée et j'ai massacré tout le monde, hein, donc... D'accord, monsieur. Cody, tu as pensé à faire le test de dépistage au cas où l'alcool volant, tout ça, non? Bon, bah tant pis, hein. Allez. Il est déjà parti, hein. Oui, bon, bye. Mission accomplie, hein, Cody, bravo, hein. Bravo, bon boulot. Bon travail. Hein. Bon, le chat, vous battez. Attendez, je pars rater cette discussion quand même. Ma femme et un ami qui est comme un fils pour moi, est en train de se battre pour mes fesses. Moi, je suis une folle, je suis une malade, je suis derrière ta fenêtre, je te vois, moi. Mais moi, je suis un breaker, je vais te tirer dessus. Je suis une crise de paludisme. Quoi, Alexis? Au secours. Faut aider Alexis, envoyer les pompiers. Ça, le prédatrice. Casse-toi de ma fenêtre. Ah! Je suis son plus fidèle follower sur TikTok, alors laissez-le-moi. Au secours! Ce qui veut dire que je suis une prédatrice qu'avec cet homme incroyable. Au secours, ça chauffe ici, waouh! Ça va, Close? Bonsoir, Close, bienvenue! 150 points de chaîne que t'as pas vu. Comment ça, mais t'as dépensé dans quoi? Du paludisme, ouais. Oui, une souche légère. Quoi? Une souche légère heure? Ça veut dire quoi, attendez? Excusez-moi, je remettais le chat correctement, hein. Mon second écran, voilà, parfait. Quoi? Tant que c'est pas. Ah, agent, ça passe. Mais qu'est-ce que vous racontez, les bébous? Et franchement, le chat, je vous laisse 2 minutes le temps de contrôler les papiers d'identité d'un groupe de malandrins, hein, de malandrins voleurs. Et c'est comme ça que vous me remerciez. Quoi? Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Je suis volontaire. D'accord. T'as juste connu ça, ce que t'as pas les pouvoirs qui sont nécessaires, hein. Comment je change déjà? On avait trouvé. Oui, on avait trouvé, voilà. Eh ben écoutez, on va prendre l'empereur. Je m'attendais à ça. Eh oui. Alors,
Commençons. Obscur de la force. Oui. Me permettra de m'occuper de ça. Bien sûr. Oh mon dieu, elle me fait peur. Ma femme. Tu veux que je trouve le paquet de schtroumpf? Le schtroumpf piquant? Bien sûr, madame. Gardien de la paix avant tout. La classe, du coup. Allez, j'ouvre le paquet. Non, bien sûr. Petite ASMR, paquet de schtroumpf. Haribo, les schtroumpf piquent. Attention. Je fais de l'ASMR. Sinon, faut faire que je vais avoir de l'ASMR. Attends, bon, c'est bon, j'ouvre. Attendez. Doucement, hein. Attention. Hop là, j'ouvre. Oh, c'est dur. Putain, c'est dur. Bébé, il va y avoir des dégâts collatéraux. Mais non, mais je voulais pas que je trouve comme ça. Écoute, c'est ouvert. T'es contente ou pas? J'ai le droit. J'ai le droit à une taxe. Je suis gardienne de la paix. Je prends un petit bonbon. Non, j'ai le droit. J'ai le droit, ma chérie. J'ai le droit au paquet. Doucement, Palpatine, calme-toi. Hop là. Hop, c'est un bonnet blanc. Va. Bah, même pas merci. Fais bisous. Fais bisous. Tu fais bisous. Voilà, c'est bien. Ah, c'est bon, putain. C'est super bon. Ah oui. C'est fou, ça. C'est moi le gros de la baraque, c'est fou, ça. Oh. Bon. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais bien, c'est pour ça que je suis dans son cœur, quoi. D'accord, un petit BF2, Flo. Bah, écoutez. Dans les trucs qu'on va refaire quand on va remettre en place à partir de lundi prochain un vrai planning, il y a, de prévu, une soirée BF2 avec tous ceux qui veulent venir jouer. Voilà. Donc, putain, c'est bon. Allez. Si vous avez Battlefront 2, vous serez toutes et tous les bienvenus. Voilà. En général, on se retrouve à genre une quinzaine à jouer à BF2 et c'est trop drôle. Donc, vous serez les bienvenus. C'est pour aller où? Parce que j'ai empilé des blocs, mais on sait même pas pour aller où. Donc, je pense que c'est pas pour aller là, tout simplement. Hein. Dans une proposition d'émote que t'as pas vu. Oh, bah alors dis-moi ce que c'était la proposition d'émote. Excuse-moi, mon petit scary. Du coup, ça me fait plein de trucs sympas, genre tête qui tourne, nausée, mal au crâne, coup de chaud et froid. Mais c'est terrible, mon petit Alexis. Faut bien que tu te reposes, mon bro, parce que c'est chaud quand même. Hein. Est-ce qu'il est mort de rire? Du coup, c'est qui Cody? Comment ça, c'est qui Cody, le chat suicidaire? Cody, c'est commandant clone avec le casque blanc et orange. Oui! Mais oui, bien sûr, c'est le merveilleux homme qui me suit. Et qui a été la source d'un des TikTok qui a percé, bien sûr. Hop. Oh, qu'est-ce que j'ai fait quoi là? Allez, je. Allez, c'est pour le détruire ou? Ah oui, d'accord, ouais, c'est pour le détruire. Très bien, je crois que ça servait à être empilé, je comprenais pas. Hop. Voilà, super. Salut, bonsoir, Noc 14. Ou Noc 14, je ne sais pas. Bienvenue, Noc. Bienvenue à toi, Noc. T'es peut-être de TikTok, toi aussi, je suis pas sûr, hein. Pas sûr, hein. Mais en tout cas, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. D'accord. Oh, un code. Un code de Java, vite. Un nouveau code de personnage ou de truc, bonus, machin. Ok, VT. Attendez. VT. 1. Ok. Java qui est là pour balancer les codes, ça fait plaisir. VT1L. FNHF. Ok. Non, pas B. Pourquoi je fais ça? Pas de panique. N, H. Oh! Shakti! Elle est cool! Eh ben, pareil, si vous connaissez pas Shakti, allez voir ce clone noir, si vous allez connaître Shakti, vous verrez pourquoi elle est trop cool. Voilà. Un des Jedi que j'adore. Oh, Shakti! Oh, je la prends! L'empereur, tu dégages, t'es une merde. Hop, ça dégage. Voilà, c'est dit, je balance. Elle est là! Elle est vraiment là! Elle est là, je veux. Barre-toi. Tu pues. Voilà, tu te laves pas. Voilà. Oh! Oh, elle est bégette! Wouah! Oh, pelo gosse, hein! Putain, Shakti! Oh, les sauts! Non, pardon, Cody! Oh, bordel. C'est fou comme ça. Bon, du coup, j'ai les. Hein? Oui, bien sûr, reprise de mission, tout de suite. Je viens de comprendre en fait pourquoi fallait que j'empile des blocs. Je suis un peu con. Excusez-moi, hein. C'est le temps que ça monte jusqu'au cerveau. Voilà. On va y arriver, hein. C'est pour aller prendre la brique Kyber. Il faut que je te le dise parce que je suis fier. J'ai fait un petit temple Jedi, il est screen dans screenshot du serveur Renaissance. Oh! Bah, Arix, est-ce que tu peux aller mettre la screen dans Media sur mon Discord, s'il te plaît? Comme ça, je pourrais le montrer en live. Si ça te dérange pas. Un petit bébou. C'était une émote Cody? Ah, bah, alors le problème, c'est que les émotes sur Twitch, on est limité en nombre. Donc, faut forcément que ce soit des trucs en rapport avec ma chaîne, tu comprends? Parce que si c'est un truc qui est en rapport avec un seul de mes streams et que personne n'aura la rêve dans le futur, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les blocs sont complètement buggés? Allô? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Mais ils sont complètement ma boule, hein! Comme le docteur! Voilà. Abonnez-vous. Elles sont où les autres briques? Elles sont revenues là, d'accord, super.
Qu'est-ce qui se passe? Ça te dit 1 million de points de chaîne, tu fais un event, tu quittes Madame Floloclo? Ça va pas la tête. Eh, hey, je vais vous dire un truc, même pour 10 millions de points de chaîne, je la quitte pas. Bah oui mon bébé, tu crois quoi? Enfin, facile, 300, 400 000. Je rigole, mon cœur se met de la vie. Mais non, c'est une blague, mon amour. Je suis streamer, je fais des blagues, c'est mon métier, poupou, je rigole. C'est une blague, mon amour, c'est une blague. Merci, madame Loclo. Oui, j'ai des petites pilules. Il n'y a pas grand-chose à faire, par contre. Contre ça, par contre. Rebot, boire de l'eau, etc. Ok. Sky Saga, peut-être. Sky Saga, je l'ai déjà utilisé, Sky Saga. Elle est vachement cool, Shakti, oui. Déjà, il y a eu 3 ou 4 morts dans l'univers Star Wars. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est très vrai. Si je viens de TikTok. Oh, trop bien! Eh ben, bienvenue, Bébou! Maro plus grand que Hall. Comment ça va? Ima Chester. Bienvenue, Chester. Voilà! Diapason, bien sûr. Bien sûr. Comment ça va? Je pense que t'es un copain de Maro. Vous êtes de la jungle sur Discord, je suppose. Bienvenue, copain de la jungle. Je banne tous les autres. T'as un Discord, bien sûr! Si vous descendez. Bah, attendez, je vous montre. Ouais, on fait ça bien ici, on fait ça bien, attendez. Attendez, on fait ça bien, pas gré police, putain, ça n'a rien à voir. Voilà, bienvenue les bébous. Vous êtes 19, bien sûr, n'importe quoi. Merci les bébous d'être là, vous êtes des crèmes. Regardez, juste en dessous, alors, l'interface va être refaite, donc profitez-en, c'est la dernière fois qu'elle ressemblera à ça. Discord, vous voyez, tous les liens, hein, Twitter, machin, y a pas TikTok d'ailleurs. Y a pas TikTok, je suis un connard. Regardez, vous cliquez, Discord par exemple, et bam, ça vous redirige. Et voilà, merveilleux, vous êtes contents. Hein, bon, super. C'était le tuto. Oula. Oula, attendez. Le jeu n'a pas du tout apprécié. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, attendez, pas de panique. Paniquez pas, hein. Madame Loclo, plus grand que Maro. Bonsoir, Ourson FR. Bienvenue les bébous, Madame Loclo, plus grand que... Ouais, hein. Plus grand que Hall. Pour les enfants, vous avez vu le match de rugby ce soir? Pas du tout. Et pour 1000 subs, mon cher, tu la quitterais? Non, même pas pour 1000 subs. Copier des bots pour avoir les 400 000 plus rapidement. Mais bien sûr. Bon, calmez-vous, attendez, est-ce que le jeu fonctionne à nouveau? Oui. On a sauvé le jeu, parfait, bravo. Merveilleux. Je ne démissionne pas, moi je t'aime bien. Non, j'ai ping sur Fusion mes staff, mais c'est des racistes. Ah, c'est embêtant. C'est dommage. Mais merci beaucoup la Fusion hein, pour les modos d'être là. Hein. Et merci pour le ping, Maro, t'es un amour. T'es un amour, ça fait très plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour les pilleurs, ça. Mais j'ai pas de pilleurs, moi, je connais pas. Mais pas tout ça. Hein. Enfin, les clones. Il y a encore une brique. Je suppose que je peux aller récupérer une brique Kyber quelque part. J'en suis où au niveau des crédits, là? Je vous rappelle que le but, c'est d'avoir 1 million. 908 000, ça monte, hein. Il n'en manque plus beaucoup, hein. Il manque 90 000 pièces et après, je suis bon, hein. J'aurai le x2 de pièces. Non, pas de panique, calme-toi, Shakti. Bien se passer. Ça va bien se passer. Oh, le petit saut là. Oh, c'était vraiment esthétique. Oh, monsieur, une quête, peut-être. Mon bureau se trouve juste à côté de la plateforme. Mon bureau. Ça fait un bruit du tonnerre. Du tonnerre. J'ai littéralement vu sur une. Oh, Silène. GG, juste quand j'arrive, ça crache le jeu. Comment ça va, Silène? Silène le toutou. Silène qui est une très bonne streamer. Si vous ne connaissez pas ce que fait Silène le chien, allez voir. Quel boss. Ça marche, pas de sous, littéralement vu une pile de boîtes, machin. Ouais, ouais. Je n'aurais jamais dû quitter mon boulot de berger de chac sur Naboo. N'oubliez pas de suivre vos rêves. Bien sûr. Détruire ces horribles boîtes. Bien sûr. Ça en fait partie. Bien sûr, pas de problème. Écoute, mon idéaliste démoralisé, tu parles à quelqu'un qui a décidé de tout quitter pour faire steamer. Alors, il bouffe beaucoup de pâtes, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il a des regrets? Non, très peu. Donc voilà. Je tiens peut-être pas debout, mais j'ai pas besoin de me lever, t'en mettre des coups. Daka, alors on laisse Madame Loclo en paix, mais bien sûr. Je vous fais revenir après, bon appétit, bébou. Coucou toi, jeune loup. Mais j'étais juste là pour Maro, plus grand que Madame Loclo, mais t'es une qualité de fou continu. Eh, hey, mais c'est super gentil. Eh, hey, mais qu'est-ce que vous avez tous à être gentils, là, comme ça? C'est... Eh, hey, vous avez pas honte d'être des gens sympas et bien éduqués? Oh. Merci beaucoup, ça me touche de fou. Ça me touche de fou. Voilà, je... Merci, juste merci, en fait. Voilà, faut le dire quand on est content. Les gens ils disent qu'ils sont pas contents. Bah ouais, voilà, faut dire quand on est content. Bah je suis content, voilà. Ah, t'as gagné, je suis de bonne humeur. Voilà, voilà. Ah, ça me fait plaisir. J'espère que t'es fier de toi. Merci beaucoup, ça me touche de fou. Faut transformer les A en A. Mais tu sais que je l'ai vraiment fait, ça. Tu l'as pas vu sur TikTok. J'ai fait une parodie de la pub de l'isopaïne. Eh oui. Quel homme, hein, je sais, j'en fais les choses. Hein. Eh oui. Et encore, c'est qu'avec ma bouche, ça. Non, là, non. Allez, on fait comme si j'avais rien dit. Yo Flo, bonsoir Pomme de Pas. Comment tu vas, Pomme de Pas? Pomme de Pas qui lui aussi vient de TikTok, si je dis pas de bêtises. Bienvenue, Pomme de Pas, comment ça va? Silène, je décède moins. Tu me fais penser qu'il faudrait que j'étoffe ma présence sur les réseaux. Tiens, tout à fait, Silène. Je te recommande TikTok, parce que ça marche bien. La preuve.
Bonjour Doku. Quoi? Oh merci beaucoup Jeune Loup pour le follow. Mais c'est très sympa. Merci pour le follow Clos Jeune Loup. Brave bête va. J'espère que tu seras encore là quand tu ne seras plus si jeune que ça. Je te projette vachement sur le futur, hein, je sais. Ça peut être un peu flippant pour les relations, je peux comprendre, mais... Mais je suis sympa, faut pas avoir peur comme ça, hein. Moi j'ai honte, perso j'aimerais être un bâtard, c'est mieux. Quoi? Mais non Maro, t'es quelqu'un de bien. Voilà, aussi bizarre que ça puisse paraître, t'es quelqu'un de bien Maro. Attends, voilà, super, ok. Dernière catégorie, voilà, ça valide. Ah bah je vois ça, oui, Jeune Loup. Quoi Jeune Loup? Ça te plaît pas? Moi j'aime bien Jeune Loup. Hop, c'est parti mon petit commandant Cody. On monte. Petite échelle. Oula, moi ça va. Ça va? Bah c'est parfait. On est cousins. Comment ça vous êtes cousins? Ah bah oui, Silène le chien et Jeune Loup, bien sûr. Oh, c'est quoi ça? Oh. D'accord. Attendez, est-ce que du coup l'autre peut monter de l'autre côté? Ah non, attendez, quoi? Attendez, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que c'est? Attendez, on va comprendre. Ah oui, attendez, ça sert d'escalier, non? Je ne comprends rien. Attendez. C'est pas un truc où il faut que j'enfonce mon sabre laser pour pouvoir escalader? Pas du tout. Il est con comme une table, Floloclo, ta-da-da-da. Ah mais là-haut, attendez, il y a un truc. Là-haut, là. Oh mais oui! Ici, on peut escalader. Attendez. Ah mais avec Cody, non? Tu veux pas genre grappin la gueule là-haut, là? Non, il est con comme une table. Ouais, il est con comme une table. Ouais. Ouais. Je t'ai balancé deux codes. Ah, c'était des codes! Ah bah attendez, c'était corde au cul, je crois. Ou corde au cou. Attendez, on va regarder. Bouge pas. Corde au cou. Je crois que si tu l'avais écrit comme ça. Corps. Ouais. Corps. Dos. Ouais. Cou. Beau gosse. Peau d'Ambron spécial vacances. Parfait, avec un petit pull de Noël. Merci beaucoup, bébou. Merci beaucoup pour le code. Bien. L'autre, par contre, j'ai pas vu passer. C'est d'ailleurs, j'avais compris, t'inquiète. Parce que si je suis un chien, un loup, haha, je suis drôle, oui, bah oui. Mais Silène est sympa, hein, faut pas avoir peur d'elle, hein. Elle est très gentille. Faut pas croire. Ah, mais attendez, j'avais pas fait jusqu'au bout. Oh, mais j'ai compris! C'est bon, j'arrête d'être con. Non, 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 ta gueule! Pardon. Je suis agressif, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris, je... Pardon, je suis une merde, désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolé, c'est... Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pété un câble, je suis décelle. Mon génie comédique dépasse un tabouret, bien sûr, Silène. Il m'a soigné ma crise pendant genre 10 secondes. Ah, c'est parfait, Alexis. Oh non, mais... Je suis un sac à merde! Voilà, voilà, faut dire les choses. Je suis un sac à merde. Je me casse les... Oh! Ah, mais c'est... Ça fait deux fois que je fais la même chose. Pourquoi je suis un tas de merde comme ça? C'est pas possible, je me suis retrouvé à... Mais je fais deux... Je le sais et... Casse les... Hein? Allez, attention. On saute! On saute! On saute! On saute! Voilà, mon sac est fait. Brave bête. Ah, mais attendez. Ah, mais attendez, non, que dalle! Et... Hop! Oui! Oui, je ne vais pas me planter quelque chose dans le corps. Cliusa, Cli... Cel... Celiusra... Clius... Cliusra... Clou... Merci d'être là. Merci pour le follow, c'est... Qui que tu sois, bienvenue. Merci à toi, j'adore ce que tu fais, qui tu es, et tout ce qui va avec. Merci à toi, j'apprécie. Tu... Tout va bien. Chakti est en train de faire sa propre crise de quarantaine, là, mais tout va bien. D'accord, mais ensuite, comment je... Quoi? 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 Attendez! Faut encore monter d'un cran ou pas? Non, je ne pense pas. On tente? Ah, mais attendez, mais c'est cassé de l'autre côté. Oui, c'est ça, hein. Oh! Oh! Attendez, attendez, attendez! Mais attendez, mais je suis complètement con, c'est ça? C'est ça ma vie? C'est ça ma vie? C'est ça mes choix de vie? Oh, vous l'avez vu, en haut. Comment je fais? Expliquez-moi, au secours. Putain de père en fils, hein. Rochir. Ah, je crois que j'ai déjà utilisé Rochir, désolé. Oh, attendez, j'ai vu un message passer, attendez. Attendez, pas de panique. Quoi? Plop, je viens d'avoir un remboursement, donc j'ai pris un abo level 3. J'ai quoi de plus que les autres abos, Flo? Oh, t'as pris un abo level 3, mais il n'y a pas eu la notif close. Bah, je suis désolé pour toi, ça n'a pas paru, c'est vraiment bizarre. Attendez, je vérifie, mais... J'ai même pas eu l'annonce comme quoi t'as pris le truc.
Close, merci beaucoup. Et le sub 3, ça vous donne pas beaucoup d'avantages en fait au final. Hein. C'est surtout beaucoup plus de soutien pour moi parce que du coup, je vais recevoir une somme beaucoup plus importante. Et t'as accès du coup à des émotes que les autres n'ont pas accès, auxquels les autres n'ont pas accès. Si on parle français correctement. Tu peux regarder, tu verras normalement, lorsque tu regardes les choix des émotes, tu vois la liste avec les blocages par niveau. Voilà. Mais Rochir, oui, j'ai déjà mis comme code sur le jeu. Tout va bien. Ça arrive, Flo, c'est pas grave, mais c'est une femme que j'ai dû braquer pour follow. Quoi ? T'as braqué une femme pour follow ? Mais ça va pas la tête, hein. On ne braque pas les femmes. MDR, merci. Quoi ? Alexis, tu te moques de mon nom ? Quoi ? Ça vient se passer, les enfants. Nous sommes dans une ambiance bienveillante ici. Et ça m'embête parce qu'il y a trop de messages. Mais vous êtes des gens gentils, donc je ne me plains pas, d'accord ? Vous êtes les bienvenus. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Shaki, elle est restée en haut ou pas ? Elle est restée en haut, c'est donc ça qu'il faut faire. Il faut donc faire ça avec les deux personnages. Oui, 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 brave bête. Hey, smart, le gars. Bonsoir, jeune gens. Bonsoir, Azix, comment tu vas ? Casse-les, hein ? Oui, Maro, bien sûr. On arrive, on dit un nom de Gungan. C'est pas faux ! C'est pas faux ! C'est pas faux ! C'est blessant, mais c'est pas faux. Salut Flo, merci pour tes retours sur mon beat, ça m'a fait très plaisir. Coucou STPS Games, bah écoute, moi aussi ça m'a fait plaisir. Je suis toujours très impressionné par ceux qui arrivent à faire des builds stylés sur Minecraft. Et putain, celui que t'as fait... Alors je sais pas si ça correspond à quelque chose qui existe vraiment dans l'univers ou quoi, mais le vaisseau que t'as fait, franchement, impressionnant. Putain, je sais pas si j'en aurais été capable. Ou alors avec vraiment beaucoup plus de temps que je n'en ai aujourd'hui. Ok, super, donc ça monte. Et en attendant... Parce que c'est bien sympa, mais comment on fait? Oh, j'ai compris. Casse-toi, Cody. Casse-toi, t'as de merde. Pardon. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Voilà. Donc là, il est dessus. Parfait. 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 Attendez, le chat, hein, j'arrive. Hein. Je sais que je suis en train de nous mettre des gigavants, mais attendez. Oui, victoire. J'ai fait le lotari avec les mains. Unk, unk, unk. Voilà, c'est bien. Il faut bien s'auto-congratuler des fois. Hein. Voilà, beau gosse. Quel homme, hein. Je suis à combien de crédits? 920 000, ça monte petit à petit, ça monte petit à petit. Attendez, j'attrape le chat, hein, excusez-moi. Bonsoir, bienvenue, bonsoir, blablabla, bla, bla, c'est broken, oui. Surveille tes arrières, blablabla. Bla, bla. Où est la discrimination de Twitch envers les Belges? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Pourquoi donc? Ah, parce que Close n'a pas eu l'annonce? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Cody, pas de panique. Est-ce que Cody se ramasse la gueule si je saute de tout en haut? Je pense que oui, hein. Arrête de faire ça, arrête, tu te fais du mal. Tu m'emmerdes, Cody! Avec tout le respect que j'ai pour toi. Oh non! Ah non, c'est bon. Parfait! Merveilleux! Bon boulot! Nickel! Encore une quête? Parfait. Bonjour! Douros débonnaire! Ouais! Ah non, mais vous allez me dire que c'est celui que j'ai débloqué à l'instant! D'accord! Comment tu vas? Bah, je fais bien, STPS Games! Je vais très bien, même! Il y a plein de petits nouveaux sur le stream et de nouvelles d'ailleurs! Comme par exemple, Kliusra! C'est. Yousra, CL Yousra, Kli. Bon, voilà. Donc, bienvenue à eux et à elle. Ou à elle et à eux d'ailleurs. Et voilà. Non, je vais bien, STPS Games. C'est toi, quels sont les bails? Quelles sont les nouveautés? C'est encore une nouvelle quête ou pas? Je suis même pas sûr, hein. Même pas sur sa nouvelle quête. Hein. J'en sais rien du tout, hein. Voilà, les petites pièces. Parfait. Allez, go trouver une autre quête. Et puis on continue le farm, hein. Je vous rappelle, 1 million de pièces. Et après on est good. Je dis qu'il est en train de galérer à me suivre, évidemment. Les pièces, voilà, on crache pas dessus. Oh, Austin Cajo. Non, c'est jamais raciste, c'est terrible. Je suis navré, vraiment. Merci beaucoup, Austin, pour le follow clo. Bienvenue. Ah, j'adore ce que tu fais. Sûrement quelqu'un de très sympa. Merci beaucoup, Austin. Ça correspond à un truc qui existe dans ma tête. Ah, bien. STPS est low. J'imagine trop Obi-Wan lâcher un énorme tu m'emmerdes Cody. Du coup il en est où la création du syndicat pour que Flo stream tous les jours? Bah écoute, va falloir venir un paquet de pognon pour ça, mais... Bah écoute, si un jour ça existe, pourquoi pas? Vous êtes trop mignon. Ah merci mon ref, bah pas de sous, ma surette. Comment dire surette en verlan? M'arrête-seux. Et RQL, m'arrête-seux. Je suis un vrai Giants. C'est presque impossible à imaginer. Mais il y a des millénaires. Que vous meurs. Il n'y avait rien dans, hein, la surface de Coruscant. Ouais. 5127 niveaux plus tard, la planète ressemble, eh, à, oui, un gigantesque oignon urbain. Un oignon. T'as pas trouvé meilleur comparatif qu'un oignon. D'accord, donc tout ça pour ça, très bien. Un oignon. Eh ben c'est reçu, hein. Bordel le pot. Maro plus petit que Madame Leclos. Ils viennent tous pour ça, c'est terrible. Ah putain, Maro, ça marche très bien la propagande, hein, sur la fusion, je vois ça.
Mais bienvenue les bébous en tout cas. Alors, attendez, fusion, je vais faire une connerie. Rappelez-moi ce que c'est fusion, c'est un serveur RP sur Garry's Mod ou pas, fusion? Même pas sûr. Je dis, ça se trouve, j'ai une grosse connerie. Oh non, encore quelqu'un que je comprends pas, c'est ça? Eh oui, elle parle pas de la Qualiche, hein, Shakti, hein. Et en même temps, moi non plus. Ah par contre, j'ai un truc de protocole! Mais bien sûr, c'est 3PO, mais oui! Eh oui! Oh, bip, bap, boop! Je suis C3PO. Oui, bonjour! C'est un traître, je vois ça. Oh, les codes! Oh, close! Ok, close, je vais en taper un seul. Close a mis plein de codes. Le but, c'est pas de les avoir d'un coup, hein. Mais vas-y, j'ai vu shuttle. On va taper shuttle. Ça me va. On va taper shuttle. Bien, vas-y, vas-y. Hop! S-H-U-T-T. Et voilà, et le L. Et le E. Déjà utilisé, je suis une merde. Et ben voilà, c'est perdu, ton message est parti en haut, tant pis, voilà, voilà. Ah mais choisis-en moins un, ok? J'ai super fatigué après. Et ce en verlan, c'est Russ. By the way, il me semble vraiment. Et ben ce sera Russ. De rien, Russ. Bah Russ, il ne faut pas se fier à tous ces magasins, on raconte que l'empereur a des yeux et des marchands partout. J'ai un magasin à l'œil en particulier, il a l'odeur de l'empereur. C'est marrant à l'œil parce qu'en fait il en a... Il y en a 4. Bon, Flo, tu vas ramasser la... Quoi? La crosse de Maca dans les gencives si tu redis ça. Si je redis quoi? Oui, c'est ma commu. Eh oui, d'accord. Fusion première commu Gmod de France. Bien sûr. Bonsoir, Poulouk. Comment tu vas, Poulouk? Première commu FR Gmod, on est beau. Oui, bah, bel homme, à vous. Hein. C'est vrai que je lui RP des fois. Hein. Enfin, quand je pourrais me lever, Flo. Pas de sous, pas de sous. Shuttle, c'est un vaisseau. C'est le moins bien. Ok, Madame Loclo, plus grand que Maro, bien sûr. Rip lui bien. Je t'ai envoyé tous les codes sur ton Insta. Mais vous êtes trop mignons. Mais le but encore une fois c'est de découvrir petit à petit hein, le jeu. Hein. Je veux pas tous les balancer d'un coup, mais merci beaucoup. C'est pour ça que Java est très utile parce que Java il arrive, il dit rien, il dit pas bonjour, pas au revoir, rien. Il balance le code et voilà. Il est très efficace. Très très efficace. J'aime bien faire des petits streams comme ça en jeu libre parce que punaise, on peut se balader vachement, découvrir vachement la map, et puis il y a plein de quêtes secondaires, mais derrière le jeu est hyper rempli. Hein. Il y a quand même plus de 1100 je sais pas combien briques Kyber, vous vous rendez compte, c'est énorme. Oh d'ailleurs, attendez! Dans les compétences, une réalisée. On n'a pas pris tes compétences, c'est un moment. 23 à dépenser, j'en ai pris aucune, je suis un connard. Pardon. Désassemblage destructif, une onde de choc, oui. Traducteur rémunéré. Voilà, recevez des pièces bonus, pardon, pour la traduction de langue étrangère. Let's go! Évidemment, on ne crache pas sur les pièces. Hein. Voilà, très bien. Recevez 1000 pièces, 500 pièces par traduction, 1000 pièces par traduction. Ok, donc si j'améliore, je recevrai plus de pièces pour chaque traduction. Ok. Plus de chances de dévier les tirs des armes ennemies. Les tirs d'étoiles de protocole, ouais, on verra plus tard. Droid astromécano, je vais prendre tout ce qui donne de la thune, évidemment, parce que je suis streamer, rappelez-vous. Les interactions et les interrupteurs astromécano peuvent être contournées en maintenant barre espace appuyé ou terminées pour des pièces bonus. Ah ouais? Eh ben, let's go. La thune, encore une fois, la thune. Hein. Fais l'histoire, s'il te plaît. Bah écoutez, ce soir, j'avais prévu justement d'éviter l'histoire. Pour le coup. Hein, j'avais prévu de faire uniquement du monde libre parce qu'on a fait que de l'histoire depuis que j'ai commencé le jeu. Oh, avec les terminaux vilains peuvent être contournés et un prochain niveau terminaux terminé donne 2500 pièces. Ah bah voilà, let's go. Très bien. On prend toutes les pièces. Maro égale Madame Loclo, c'est marrant ça. J'ai pris la ligne de Madame Loclo moi-même. C'était une conspiration. Faut essayer le code TIPIPS, tu vas apprécier fort. Je l'ai peut-être débloqué mais attends, vas-y, on va checker. Pas de soucis. Les ennemis vaincus lâchent 2250 pièces, oui. On prend tout, on prend tout. Et il me reste que 7 briques Kyber. Je vois rien, attendez, on vérifie tout, hein. On vérifie tout ce qui donne de la tunasse. Bougez pas les enfants. Héros. Terminé, terminé, donne 2500 pièces. Et voilà. Let's go. Oh, première fois sur un chat. Merci beaucoup pour le follow. Belle stream. Merci beaucoup, belle stream. Bienvenue. Merci, belle stream. C'est gentil, belle stream. Merci pour le follow, Claude. Bienvenue. Qu'est-ce que je faisais, moi, jusque-là? Oui, le code. Le code avant qu'il disparaisse. Il a déjà disparu dans le chat. Envie de clamser. C'était quoi? Je vais retrouver. Coucou, je suis ici pour établir une vérité que tout le monde a voulu nier depuis bien trop longtemps. Maro plus grand que Madame Loclo. Ah, je vois qu'il y a vraiment deux clans. Hein. Il y a ceux qui veulent défendre ma femme et ceux qui veulent vraiment défendre Maro. Évidemment, les deux ne se valent pas. C'est pas ça l'idée, mais... Oula, je... Non, faut pas... Je t'aime, chérie. Mon amour, je t'aime. J'ai le code, attendez, je me le retape dans le chat pour pouvoir le réécrire. Hein. Paniquez pas. Voilà, Tipips, voilà, comme ça je peux être en direct et avoir le bon code. Parfait. Et bienvenue, hein, tous ceux qui veulent balancer les conneries, hein. Pas de problème, vous êtes les bienvenus. Tipips, merci, voilà, Nathanaël qui est quelqu'un de d'éduqué. Oh non, le jeu a bugué. L'écran est blanc sur mon écran principal et je n'arrive à voir qu'avec l'écran de droite. Mais n'importe quoi, c'est complètement con. Attendez, j'alt-tab, je relance. Est-ce que c'est bon cette fois-ci? Oui, brave bête. Merveilleux.
Let's go follow maintenant. Maro qui est en train de prendre l'otage absolument tout le monde. Follow mon stream. T'es un amour, Maro. Mais ne le faites pas si vous ne voulez pas. Hein. Si vous n'appréciez pas la personne que je suis, ça sert à rien. Et vous êtes trop gentil quand même. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais faire? Le code. Je suis un streamer dissipé, ça va pas du tout. On a dit Tipips. Ok, donc T-I. P. Ouais, jusqu'à toi bien. Y-I. Ok, et PS, c'est ça? PS. Merveilleux. Je l'ai déjà utilisé. Ah, c'est bon, j'ai eu mon temps dans mon média. Ah, on va voir le temple Jedi qu'a fait Arix. Ne bougez pas, on va aller voir. On va aller voir. Vraiment, je vais sortir le logo de l'usine, parce qu'on n'est pas du tout sur l'usine, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, mon Discord. Hein, bienvenue évidemment à tous les nouveaux qui voudraient venir. Hop, média. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le temple Jedi, ça? Ah ouais! Ah ouais, je vois ça. Attendez, je vous enlève le logo de l'usine. Rien à voir, c'est notre émission l'usine. Hein. Mais je m'en fous, là, Epic Games, qu'est-ce qu'ils veulent, là? Ça fait pas ça professionnel du tout, ça. Hein. Écoute, ça fait bien pour un petit temple de poche. Voilà, c'est non, si, pour un temple de poche, c'est pas mal, Arix. Hein. Non, c'est bien. Non, je critique, mais je clique en attendant. Hein, donc, non, c'est pas mal, Arix. Pas mal du tout. Hein. Madame Leclos, plus grand que Maro Courva. Mais ne vous battez pas, les enfants. Silène et Maro égale Madame Leclos, c'est une compréhension. Une conspiration depuis le début. C'est en fait la même personne. Ah! Ah, donc Maro est vraiment très très proche de moi, quoi. Il a vu des choses que. Bon, hein, je pensais pas qu'il les avait vues, quoi. Non, je ne peux pas valider. Ah, ça y est, ils vont se battre. On demande pas de validation, Popol. Et Maro, il triche en plus, il ramène des bus de personnes pour voter pour lui. C'est vrai. C'est pas faux. Après, bon, vous appréciez mon contenu, vous êtes content qu'il y ait des nouvelles personnes qui débarquent. Voilà, je suppose, hein. J'espère. Oh, Brick Kyber, vous l'avez vu de l'autre côté? Vous l'avez vu? Là-bas. As-tu vu la Brick Kyber là-bas? On va passer par là, regardez. Ouais, c'est là-bas. Ah, il a récupéré la Brick Kyber, vous allez voir. Bon, un petit temps. Mais oui, Eric, ça fait le taf, hein. Et oui, on BZ, exactement. On BZ, Baro, bien sûr. Madame Leclos va vraiment pas être contente, hein. Ma meuf est contre. Comment ça, contre? Contre quoi? Ta meuf est contre le fait que j'ai des relations intimes avec Maro? Qu'est-ce que ta meuf vient faire dans cette histoire? Voilà, la brique sous l'escalier, beau gosse. Comment j'en sors maintenant? Maintenant, je meurs, c'est ça? J'accepte mon décès. Ah non, d'accord. Ah, j'ai juste triché, en fait. Ah oui, très bien. Oh oui, oh, pas mal. C'est trop bien comme jeu. Hein. Le jeu est trop bien. Hein. Voilà, ok, d'accord, on passe par là, très bien. Bon, on est où au niveau du million, là? Oh, plus que 11 000! Plus que 11 000 crédits, même pas! Oh, on y est presque. Ah, du coup, l'aqualiche, la machin, là, oui! Alors, moi, je tape pas votre langue, mais... C'est 3PO, oui! Bonjour, mon brave! Comment je te parle? Je peux pas te parler? Je voudrais te parler! D'accord. Désagréable. Regardez sur la map, on voit bien que je peux lui parler, mais... Je veux te parler! Je suis sociable! Pardon. Parle! Tu vas parler! C'est chiant. Je vais péter un câble. Attendez, si je pars... Peut-être juste un bug, hein, c'est possible. Hein. Parce que j'avais ce personnage, je croyais que je pouvais lui parler. Mais non, je peux toujours pas. Mais pourquoi c'est cassé? C'est pas juste. Je suis pas content. Ça me déplaît. Je peux rentrer là-dedans. Oh, je prends la thune qu'il y a de l'autre côté de la porte. Ça s'ouvre pas? Peut-être avec un personnage genre chasseur de primes ou je sais pas. Ah mais j'en ai pas un seul, ok. Oui, arrête. Tu te fais du mal, Shakti. Hein? Continue l'histoire, je t'en supplie. Mais pourquoi je t'en supplie? C'est sympa la balade aussi. Oh, on y est presque au niveau du million, on y est presque. Écoute, je reprendrai peut-être une fois que j'ai débloqué le million, hein, honnêtement. Hein. On verra bien mes bouts. Hein. De toute façon, si on continue, on prendra avec l'épisode 4, si tu dis pas de bêtises. Ah oui, c'est ça, je viens de réfléchir, je ne dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Voilà, parfait. Bien. Ah mais non, attendez, je suis complètement con. Mais dans 11 000, j'ai que 900 000, j'ai pas du tout un million. Et attendez, mais où est-ce que j'ai perdu autant de pièges? J'en avais beaucoup plus avant, non? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je suis complètement... complètement marabouté, moi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ouais, d'accord. Est-ce que j'ai les chasseurs de primes? Je suis même pas sûr, hein. Je suis même pas sûr d'avoir les chasseurs de primes. Ah si! Oh le Mando, mais oui bien sûr! Oh avec les bébés Yoda! Et voilà!
Ok, et maintenant, actionner. Et maintenant. On est content que tu aies plus de clients, de spectateurs. Ah, oui, bien sûr, Alexis, bien sûr. Ok, mais j'ai désactivé quoi, là, en faisant ça? Putain, il a failli tomber. Il a failli tomber, le bougre, hein. Oui. D'accord, où est-ce que je vais avec ça? Il a l'air fort de ouf, le blaster. Ah oui. Piu-piu. Piu-piu. Ah oui, il est bien. Ah oui, le Mandalorian, putain, c'est pas mal, hein. J'aurais dû jouer depuis le début, en fait, hein. Skyrim modé, plus grand que Maro, plus grand que Madame Loclo, mais vous êtes horrible. Oh, je me confonds en maths. Vas-y, casse tout. Non, j'aime pas les malades. Oh. Les greffes des trucs là, ça coûte de la thune. C'est pour ça? Ça coûte de la thune? Ça coûtait que des campers normalement. Je suis un cloporte alors, c'est fou d'être comme ça. Bah, du coup, j'aurais eu le million là. Oh, mais quelle vie de merde, vraiment. Oh, le débile quoi. Oh, sur le long terme, je pense que ça, c'est rentable ce que j'ai fait. Non, enfin bon. Regardez-moi toute cette thune! Ouf, ça va, il peut faire un double saut. C'est rassurant. Ok. Ah non, regardez, ça va monter vite. Ok, il me faut un Jedi. Non, arrête, vilain, couché. Mais c'est pas possible de se tromper de touche comme ça! On a dit un Jedi. Bah, l'empereur. Ça fera l'affaire. Oui. D'accord, mais pour aller où? Oui, pas de problème, l'empereur, pas de problème. Des croisades, Madame Loclo, mais ça a pas la tête, hein. L'ami devant, ça fait plaisir. Non, mais c'est, vous êtes des fous. Vous êtes des fous, hein. Vous êtes juste des malades, hein. À comparer Madame Loclo à un jeu. Bon, Maro, voilà, c'est un humain, encore que, c'est, tu vois, c'est déjà ça. Alors, à un jeu. Vas-y, Cody, avec moi. Cody, arrête d'être con. Didala. Oh, c'est quoi? Oh, c'est parfait. Vous savez ce que c'est? C'est ce qui sert justement à avoir des bonus. Oui, j'en ai que deux en bas à droite. C'est super rare, donc c'est parfait. Il en faut un pour les 1 million déjà, et il en faudra un autre pour le reste, donc trop bien. J'ai bien fait de venir ici. Enfin, les data cartes déverrouillent les extras amusants. Oui, bah amusant. Le x2, oui, c'est amusant de gagner plus de thunes, effectivement. En tant que streamer, je confirme. Allez. Est-ce que je lâche ça? Oui, et maintenant? Je sais pas du tout ce que je dois en faire de cette caisse. Est-ce que je dois la ramener comme un teuteux jusqu'à l'autre bord? Allez. Allez. Allez, on la ramène, c'est parti. Je sais pas pour aller où, hein, vraiment, là, je... Ouais, les suppositoires ressemblent aux implants de ma mère. C'est la touriste à Joe, évidemment. Comment ça va, Joe? Comment tu vas, Joe, depuis le temps? Qu'est-ce que t'es devenu, Joe? Putain, Joe... Si vous connaissez pas Joe, c'est... Voilà, c'est genre de commentaire, évidemment, hein. Genre, les suppositoires ressemblent à des implants de ma mère, quoi, par exemple. Hein. Malévité est toujours pour Madame Loclo. Vu ce qu'elle a fait pour moi. Bah oui, je peux comprendre, Alexis, je peux comprendre, t'inquiète pas. Mais la mienne aussi, mais bon, voilà, moi je ne veux pas comparer les gens, enfin... C'est horrible. Maintenant que j'ai écouté ton ordre, je peux devenir gérant du DS, c'est ça? Du DS? Gérant du Discord, tu veux dire? Ah bah je connais pas vos termes de... Vos termes de prépubère, là. Ah, du DS, excusez-moi. Pour moi, le DS, déjà, c'est l'ADS, et c'est une Nintendo, d'accord? C'est une console. C'est la première que j'ai eu de ma vie, je crois. Ou alors c'est la PlayStation 2, je suis même pas sûr. C'est l'une ou l'autre, de toute façon. Je saurais pas vous dire laquelle des deux, mais... Et l'une ou l'autre. Et comment je fais pour remonter, du coup? Comment? Je remonte comment, les bougres, là? C'est avec la caisse de tout à l'heure? Attendez, mais je comprends pas. Je suis bloqué, là? Comment est-ce que... Hein? C'est la fin du game, là? Loclo, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien ça, j'aime pas les balades, on l'a vu. Je vais te donner la place de Poulouk, mais c'est terrible. Joe, yes, Jessilène, Joe Mama, Calaref. Les noms du Demon Slayer. Ah, d'accord, le Demon Slayer. Eh oui, DS. Ah, ouais, ouais. Ah, maintenant que tu le lis, ça fait sens, hein. Maintenant que tu le lis, ça fait sens, hein. Je suis dit DS, Discord. Hein oui, boobs jour, Joe. Boobs jour à toi. Comment tu vas, Joe? Cody, y a pas une porte dérobée, un truc, là, parce que... C'est quand même con de suicider pour pouvoir remonter, quoi. Surtout que je pense vraiment que c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. Enfin, je pense qu'on n'est pas condamné, hein. Ça me paraît très bizarre quand même comme choix de game design. Je pense qu'il y a juste un truc qu'on n'a pas vu. Par on, je veux dire moi évidemment, puisque c'est moi qui joue, mais... Bon, vous pourriez me dire aussi la solution, hein, je suis pas contre, hein. Mais je comprends pas. Parce que je vois bien qu'il y a... Attendez. Cody. T'es où, Cody? Ah oui, il a du mal à suivre, dis donc, Cody. On sent qu'il a pas la force, lui, hein. Re, comment ça va, pomme de pas? Qu'est-ce que c'est? Je suis censé monter comment?
Comment je fais? Comment je monte? Y'a un truc à péter? Je peux tirer là-dedans? Oui. Oui, c'est ça, d'accord. Oui, Cody, pas de problème. Bah, juste pour dire comme tout le monde, je vais construire l'échelle, quoi. Mais ouais, bon. Hein. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui construit des échelles, mais bon. N'empêche, toujours... Quoi? Toujours presque sûr que si tu te souviens... Tu te souviens pas de qui je suis? Oh, putain, mais Close! Pourquoi les phrases ont pas l'air françaises avec toi? C'est terrible! C'est terrible, mon pauvre Close! Parce qu'il est belge, vous me direz? Oui, peut-être. Peut-être. Bien vu. DS, très bonne console, en effet, surtout les Zelda dessus. Ah, moi, j'ai eu les Mario Bros. J'ai commencé avec New Super Mario Bros. Jeu de mon enfance, hein. J'y ai joué, rejoué, rejoué. Ah, moi, ça me plaît, hein. Oh, ça s'ouvre! Comment je vais tout casser? Wouah! Oh, c'est sympa, dis donc! Oh, y a une brique Kyber, parfait! Non. Quoi, non? Qu'est-ce que tu veux? Mais ferme-la! Mais qui convulse, qu'est-ce qu'il veut, le vieux, là? T'es fou! Attendez, où est-ce qu'il est? Ah, j'ai pas le mandalorien? Si, j'ai le mandalorien. Piu-piu! Parfait! Cambriolage de boutique! Ah, d'accord! Bah alors, monte donc, cambriole pour vivre? Hein? Piu-piu! Allez, parce que moi je ramasse tout, hein. Crache pas dessus, je vous rappelle que le but c'est 1 million. Voilà. Voilà, parfait. Continue par là. Ça se détruit ou pas? Oui, ça se détruit, bien sûr que ça se détruit, tout se détruit. Voilà. 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 On va chercher sur bébé Yoda quand même. Comment ça va, mon bouc? Il est trop mignon! Il est trop chou! C'est bon, j'ai tout ramassé? Je pense que oui. Et là voilà, on a cambouillé, voilà. Avec Cody à côté, c'est pas très correct, enfin bon. Est-ce que cette fois-ci, du coup, de l'Aqualish a arrêté de bugger? Oh. Oh, grappin. Ah. Ah. Je suppose que ça se détruit. Ah non. Oui, si, c'est ça. Ah oui, d'accord. Attendez. Piu piu. Alors oui, mais non. Pas du tout ce que je voulais... Non, mais il est con comme une table. Il est con comme une table. Attendez. On va tout casser. Voilà. Voilà. Et c'est parfait. Et on monte. Parti. Bonne soirée, on passe un moment sur Live de Flow. Gros bisous, Maro. Plein de poutous. Et les gens ne savent juste pas dire sac à merde. Ah. Super ambiance, Close. Non, merci beaucoup, Maro, en tout cas, pour le petit coup de pub, le passage, la gentillesse, le soutien, à tout ce qui va avec, quoi. T'es un amour, tu le sais bien, Maro. Bon, même si la comparaison avec ma femme, c'est pas top, quoi. On a vu mieux, hein. On a vu mieux, mon petit Maro, hein. Et pas le poutou à toi. Ma femme qui me jette de ses regards, je vous jure. Ce soir, si je dors pas dehors, c'est un miracle, hein. C'est vraiment un miracle. On va aller un peu de l'autre côté de Coruscant. On a fait tout ce côté pour l'instant. Enfin, tout ce côté. On est resté que de ce côté jusque-là. Faire un peu le tour. Tout BG. Vraiment bien de me faire kicker un peu avec Joe. Je kifferais faire sa connaissance. Bah, Joe, pour avoir eu l'occasion de discuter avec elle sur Discord, elle est très gentille, hein. Complètement barge. Complètement barge, hein, mais très gentil. C'est vraiment une bonne poire. Et bien sympa. Une brave bête. Eh, mais il est trop fort, le Mandalorien. Vraiment, genre, c'est vraiment super fort. Et je sais pas si c'est le cas de tous les 60 de prime. Le pognon que je me tape. Mais vraiment, waouh. Son blaster est super fort. Oh, attendez, je pouvais parler à quelqu'un là. Oui. Vous parlez le basique, vous? C'est bon. Oh, ces accents, c'est fou. Petit mouchoir. Je parie que les apprentis Jedi ont profité de son maître pour faire des bêtises. Décidément, bah non, c'est... les enfants sont tous pareils, même quand ils ont un pouvoir hors du commun. Ça veut dire quoi, ça? T'as des problèmes avec ton gamin, toi, hein? Tu sais, la communication, c'est la clé de tous les problèmes avec vos gamins, hein? Tout de même. Et le respect, surtout. Un innocence. Oh. J'ai donné 750 points de chaîne pour donner deux. Ah, mais oui, mais c'est pas possible, c'est sur cette page, regardez. Je vous montrais tout à l'heure, R2D2, c'est là, regarde. Il faut du Doliprane pour le vieux Palpatoche. Je pense qu'il va lui falloir plus que du Doliprane. Non, R2D2, c'est ça, regarde. J'ai déjà montré tout à l'heure à quelqu'un d'autre. C'est pour ça. Je mets la fierté. Demain, ça peut se faire. Un petit rocketing, par exemple. Oh! Mais Close! Mais merci beaucoup, Close! Merci beaucoup pour le pognon, le sub de niveau 3! Du coup, c'est là enfin qu'il est enfin apparu. C'est là enfin qu'il est enfin. Ça fait deux fois que je dis ça. Mon jeu a crash. Close a fait crash le jeu avec son sub. Bah merci Close, hein. J'adore ce que tu fais, sauf quand le jeu crash. Mais c'est gentil. Tu pouvais pas savoir, c'est pas de ta faute. Voilà, c'est...
Le combo R2D2 plus le save, c'était trop. Ça n'a pas plu au jeu. Il se relance, hein, pas de panique. Hein, c'est, voilà, ça arrive. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Ah merde. Accent portugais. Un petit peu. Et juste invoque Discord au pire. Mais oui, mais ça va se faire, hein, je suppose, Alexis. Hein. Je peux enfin le partager. Mais oui, je vois ça, Close. Et merci beaucoup hein, pour le sub de niveau 3. Hein. La thune. Hein. À moi, ouais, PTDR, t'inquiète, mec, bébé Yoda. Eh, hey, mais paniquez pas comme ça, là, ils balancent leurs poings, là, dans l'autre scène. 2 secondes, les enfants. Alors, regardez. Faites Numu sur la scène, allez-y. Pendant que je relance le jeu, dans le fond. Oh, le Vénator, d'ailleurs, dans le fond. Le vaisseau qui est passé, c'est grâce au sub. Bougez pas. Voilà, super, l'intro passe. Je lance, hein. Faites Numu avec les points de chaîne, y'a pas de problème. L'étoile noire. Ben, l'étoile noire est déjà dans le fond, si je dis pas de bêtises, hein. À moins que t'aies changé la planète, je suis pas sûr. Faudrait que je le vois avec elle. Mais oui! Moi je vais aller dormir, mais on se revoit sur TikTok quand je commenterai tes vidéos. Ça marche! Ça marche, Kiri, plein de poutous à toi! C'est bon, vous avez fait Mumuse, on est bon? Camino, oui voilà, c'est bien, il change de planète. Et merci beaucoup d'être passé. Et même chose pour tous ceux qui viennent de TikTok. Ou de Maro, ou d'ailleurs, hein. Vous êtes des crèmes. Et ça se passe toujours hyper bien, et je suis trop content que. Bah que ça plaise mon contenu, voilà, ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. Ouais, les Feliz Cotec, ouais! Poutam, poutam, poutam! Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Poutam, 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 poutam. Voilà. Bon, allez, on se casse, hein. On peut plus de ces conneries, moi. Ok, on était où? On était à Jeux Libre. Jeux Libre, les enfants. Et rappelez-vous aussi, on avait dit Coruscant, mais je me dis un truc. On va aller dans l'espace, et on va voir si je te pas, en changeant de planète, tomber sur un vaisseau capital. Je pense que ça va être une bonne idée. Bonne nuit, Arix. Enfin, je sais pas si c'est Arix qui part, mais... Oh, j'ai un V-Wing! C'est bien le V-Wing, mais c'est pas ça que je pensais, hein. Oh, la baston, regardez là-bas, tous les coups de blaster. Et là-bas, y'a quoi? Même chose, hein. Ouais. Bah écoutez, on change de vaisseau. Comme tout à l'heure. Regardez le screw, on va aller chez les pauvres. Allez, chez les pauvres. On change de vaisseau, on prend un vrai vaisseau, hein, qui a de la gueule. Et puis on va essayer d'aller s'agresser. Un petit vaisseau capital, quand même. Ça peut être bien. Alors que finalement, je reste. Bah ça marche, Arix. Arix, on lui a dit vaisseau capital, il reste. T'aimes bien les gros vaisseaux, Arix? T'as quelque chose à compenser ou pas, Arix? Pas de jugement, si c'est le cas. Hein. On a tous des choses à compenser. Y'a pas de problème. Je ne pense pas à quelque chose de particulier, bien évidemment. Arix, pas de problème. Y'a aucun souci. Aucun souci. Allez, quartier de Scru. Parfait. Je vais aller dormir, mon sur TikTok. Oui, j'ai déjà vu, mon petit Scary. Plein de poutous. Plein de poutous. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Mais c'est quoi ce personnage? Oh! Le Death Trooper dans Rogue One, ça vient du DLC qui est sorti aujourd'hui. Oh, faites voir son blaster. Piu, 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 piu. Oh, il est stylé, hein. Putain, c'est dommage qu'ils soient fascistes parce que... parce qu'il est pas mal, hein. Ouais. C'est dommage, hein. C'est le côté, voilà, c'est dommage. C'est... Le reste est bon, hein, mais ça, c'est dommage. Allez, hop. Évidemment, on crache pas sur la thune. Oui! Oh, pardon! Oh, je pensais pas lui faire vraiment mal, je suis désolé! Tout m'est confuse. Donc, on a dit un vrai vaisseau. J'avais essayé la camionnette tout à l'heure. Je pense qu'évidemment, on a essayé le Mandalorian, autant essayer le Razor Crest. Évidemment! Le vaisseau del Mandalorian, del Din Djarin, del série sur Disney Plus. Pourquoi espagnol? Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Voilà, j'avoue tout. On va changer de planète du coup, vu que dans l'espace de Coruscant il n'y a personne. On va aller voir l'espace de Kashyyyk. Déjà. Et puis de voir si on tombe sur un vaisseau capital, quoi. Chanter comme une pub de dentifrice. Oui, alors ça, c'est quand on chante, mon petit téléport. Je fais du karaoké. Eh oui. Coruscant, on dirait un mec qui dit croissant avec un accent, je sais pas. Oui, un petit peu, hein. Ouais, c'était ma blague. Ah, c'était une blague. Merde, j'ai pas une touche avec des rires sur commande. Faudrait, hein. Faudrait. C'est vrai. Toujours rien du coup, à part une poursuite ici, et... Oh! Oh! Attendez, c'est jaune! Est-ce que c'est jaune parce que... Pourquoi c'est jaune? D'habitude, c'est pas jaune. Oh, la pièce! C'est parfait! Moi qui cherche de la thune, c'est parfait! J'adore le pognon! J'adore le pognon, vraiment, c'est... Moi, j'adore. Y'a pas de problème. J'adore. Ouais, nickel. Nickel. Parfait. Oh, J'ai combien? Oh, c'est pas mal. Encore? Encore tout ça?
Encore, oui. Oh, c'est pas mal. Ça, c'est quoi? C'est une course, on dirait. J'avais vu un truc bleu. Vous l'avez vu, vous aussi, non? Il n'y a pas un truc bleu? Oh, je suis peut-être aveugle, c'est possible. On va voir la course. On va voir ce que c'est. C'est peut-être ça, hein. Quand tu feras une musique, n'oublie pas Biscuit. Mais oui, c'est vrai. Faut qu'on se mette un petit karaoké la semaine prochaine, ça peut être rigolo. Course circuit cachique. Oh là là, je vais être nul, j'annonce. Toujours été nul à ça, mais c'est pas grave. Attention. Boost. Let's go. Premier passage. Deuxième. Troisième. Quatrième. Bam. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. Dixième. Onzième. Douzième. Treizième. Quatorzième. Quinzième. Seizième. 17e, 18e et 19e. Oh, mais j'ai été merveilleux! Mais je suis trop fort en fait! Mais je suis trop fort! J'ai fait combien de temps? Moins de 40 secondes, c'est gold et j'ai fait 31! GG! Victoire! Oh, je suis fier de moi! Oh! Oh, le gars, il a gagné une course où il était tout seul à jouer quoi! Bravo! Bel homme, hein, putain! Putain, Bielhomme, bien sûr. Bielhomme, même, putain. C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un bug, d'accord. D'accord, très bien. Il n'y a pas de vice au capitaux, du coup, c'est que des courses poursuites. Ok, et eh ben on change d'espace, hein. C'est parti, hein. On va faire dans l'ordre, hein. L'espace de Camino. Let's go. Du fric, mais oui, tu fais quand l'histoire? Bah, quand on a débloqué les 1 million de crédits, on a dit Delport. Quand on a eu les 1 million de crédits. Hello, j'ai eu le jeu lundi. Bonsoir, Léo, le plus beau du monde. Bonsoir, Léo. Bonsoir, beau gosse, du coup. Hein. Mais bah oui, mais il est bien, le jeu. Hein. Moi, j'adore. Hein. Moi, je kiffe. Hein. Oh, vous avez entendu? Le petit Pike. Le Pike, il est vraiment chien. Il est mignon. La thune, hein. Moi, je prends la thune. Hein. Ah, il est pas si bien que ça, le canon, j'ai l'impression. Je sais pas. Youp youp you. Attendez. J'arrive, hein. Youp youp you. Allez. Les 1 million peut-être. Attention. Est-ce qu'on va atteindre 1 million de crédits? Est-ce qu'on va atteindre 1 million de... Ah, presque. On va aller sur Typo Cassity, ok. Ah, pardon, attendez. Je me fais attaquer. Réglons ce petit problème. Qu'est-ce qu'il est fort, j'ai rien dit. Il est super fort même. Oh putain, mais il est super fort. Attendez, on va les aider. Ils ont l'air d'être dans la merde. Même beaucoup de points d'adversaire. Hein. Maillot. Boum. Ok. Préparez-vous au combat. On est là, pas de panique. Vous n'êtes pas tout seul, les bébous. Je viens vous aider. Je suis le Mandalorien. Je suis un mec super sympa. Youpi. On est là. Pas de panique. On est là. Youpiou. Attendez, mais je crois que je suis en train d'aider les séparatistes. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Pardon. Je me suis trompé d'adversaire. Non, pardon. Je voulais pas, non. Je suis désolé. Pas du tout. Je m'en vais, il s'est rien passé, la, louloulou, hop. Le con. Oh le con, je suis con, putain. Je suis débile, c'est terrible. Est-ce que je suis déjà en x 3640 de bonus? Putain, Léo, bien joué. Hein. Léo, il a farm le jeu. J'en suis pas encore à là, mais j'essaye d'y être. Hein. J'ai wallplay, faut bah ouais. Ah oui, c'est vrai, mais Flo JPP. Déjà tous les vaisseaux amiraux. Déjà ? Ah, me spoil pas alors, bébou, hein. Je vais essayer de les débloquer, hein. Me spoil pas. Qu'est-ce que c'est ? Je sais que c'est cinématique de merde. Attendez, hop. Oui, pas de soucis. On va prendre un Jedi. J'avais Shakti, moi j'aimais bien Shakti. Shakti, voilà, brave bête. Et l'autre personnage. À la base du Death Trooper quand même, hein, on se respecte. On va prendre évidemment. Allez, Cody. Prêt pour ma
prochaine mission. Voilà, Shakti en plus sur Kamino, vous verrez sur Galaxy Clone Wars, c'est cohérent. Bam. Bam. Parfait. J'aurais dû y penser d'ailleurs. Bonjour la petite dame. Chose à propos de cette Aïwa infernale. Ah. Je crois avoir vu quelqu'un en train de préparer le dressage. Flo, oui. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Alexis ? Ah, parce que j'ai abattu les clones, oui. Pourquoi Aïwa ? Parlez, comment ça, il se passe quoi ? C'est quoi cette quête ? Pourquoi Aïwa ? Je sais pas. Je suis presque à 1 million, hein, pour info. Oh, bah attendez ! Est-ce que je vais avoir 1 million sur une pauvre caisse pourrie ? Eh oui ! Eh oui ! C'est les 1 million de puntos ! Les 1 million de crédits ! Attention, pièce 2. Et... c'est win ! Victoire! Et du coup maintenant, je gagne x2 de crédit, par exemple. Voilà. Vous voyez, x2. Voilà, voilà. Voilà, le pognon. Le pognon, j'adore le pognon. Moi, tout ce qui est pognon, j'adore le pognon. Le pognon, voilà. Bonjour, vous avez du pognon, j'adore le pognon. Bam! Le pognon x2. Voilà, pardon. Excusez-moi, je... c'est un peu overreact. Bienvenue à Tipoca City. Merci beaucoup, nous hein. Nous sommes les Kaminoïens et ouais. Ceci est notre usine de clonage oui. De pointe. Oui, je sais. Nous vous souhaitons un agréable séjour. C'est gentil, merci à vous. Mais écoutez, Bébou, moi j'ai fait une promesse à telle porte. Je lui ai dit, on reprend l'histoire quand j'ai débloqué le x2. C'est le cas. Du coup, il y a là. Alors par contre, comment je passe en mode histoire? Est-ce qu'il faut que je revienne au menu principal? J'ai peur que oui. Enfin, j'ai peur, c'est pas très grave. Hein. Zone, galaxie. Galaxie, zone. Ok. Option flexibilité, nanana. Quitter vers le menu principal. Est-ce que vous connaissez comment je peux passer d'un mode à l'autre? Ou pas? Peut-être sur la carte. Ça doit être sur la carte. Non, attendez. Non, mais attendez. Je... bah non, en fait. Réfléchir, mais non. Je suis obligé de faire autrement. Une fois avoir le x8, c'est ultra simple à... Bah alors, une fois que t'as le x8, je pense que ta vie est simple. Hein. Mais c'est mon but d'ailleurs, hein. Faire le x2, le x4, le x8, et après ma vie est facile. C'est pas. Mais parce que c'est le perso avec lequel tu as embarqué, c'est un séparatif. Bah oui, je suis désolé. Oui, t'avais un méchant. Je spoilerai pas, mais juste, les missions pour les débloquer sont ultra cool. Mais tu m'étonnes, j'ai trop envie de les faire. D'ailleurs, il devait y avoir le Venator. Dans un des trailers du jeu, il devait y avoir le Venator. Qu'on pouvait du coup capturer et récupérer à nous. Et ils l'ont pas mis dans le jeu. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis, si ça va venir dans une mise à jour, si ça va venir dans un DLC Clone Wars, ça c'est incroyable. Je sais pas. Des fois de François Fillon le flow. C'est... Non, je... Hey, c'est mon argent. D'accord? Oh, c'est... Oh là, et oh. Tout de même. À côté du quoi? Non, mais je vais quitter jusqu'au menu principal, hein. Les jeux de collection seront sauvegardés. Vous perdez la progression de l'objectif actuel. Non, mais c'est bon. Voilà, super, bien. Voilà, du coup, je vais relancer. Et je vais faire cette fois-ci, peut-être 4. Oui, on sait. Oui. En fait, il est incroyable, ce menu. Qu'est-ce qu'il est bien, ce menu. Quel bon choix de personnage il y a, franchement. Ok, continue la partie. Oui. Du coup, je vais pouvoir sélectionner épisode 4, c'est ça? Ça m'étonnerait qu'on fasse comme ça, hein. Je pense qu'il y a un moyen de faire autrement, mais... Épisode 4 de Nouvel Espoir, est-ce que c'est parti? 22h28, on lance un nouvel épisode. Ah, moi je dis oui, hein. Vous dites oui, vous? Moi je dis oui, hein. Petit coup de cristalline avant, quand même, hein, évidemment. Toujours pas sponsor, mais il faudrait peut-être, hein. Il va falloir que je l'envoie ce mail, la cristalline. Ah, à côté du point d'interrogation. Ah oui, parce que t'avais écrit à côté du point d'interrogation et j'avais pas compris que je suis débile. T'es pas obligé. Ben oui, je suis con comme une table, bien sûr. Autant pour moi. Je saurai, merci beaucoup. Je saurai, Léo. Prends soif le lotion. C'est marrant. Oh, c'est parti, Empire Galactique. Au cours de la bataille, des espions rebelles ont réussi à dérober les plans secrets de l'arme absolue de l'Empire, l'Étoile de la Mort. Une station spatiale blindée, dotée d'un équipement assez puissant pour annihiler une planète tout entière. Poursuivie par des sbires sinistres de l'Empire, la princesse Leia file vers sa base dans son vaisseau cosmique, porteuse des plans volés à l'ennemi, qui pourront sauver son peuple et restaurer la liberté dans la galaxie. Énorme! Le même de Jamie, énorme! Piu-piu! Attends, je vais me faire strike la gueule, c'est sûr! YouTube, ils vont me dire, tu ne pourras pas monétiser ta vidéo et tant pis pour toi! C'est pas grave! Quoi? C'est drôle! C'est très con!
Cette fois, la princesse Leia ne pourra pas s'échapper. Eh oui. Verrouille le sas et prépare les modules de sauvetage. Ah, dis donc. Bip boop, bip boop. Ah d'accord. Très bien. Oh, les plans, vite. Cours, capitaine Antilles. La transmission a été reçue. Que nous ont-ils envoyé? L'espoir. Oui. Qu'est-ce qu'ils font dans le fond? Ils sont au-dessus de Tatooine. Ils seront plus en sécurité avec un vieil ami. Oh, Jabba the Hutt, pas du tout. Énorme. Tatooine. Au milieu du graphique, il pouvait choisir, mais oui, je me doute. T'as pas peur du ban? Alors non. Attendez. Des formes de vie. Il faut la mettre dans un droïde. Oui. Alors, j'avais fait les recherches. Tout le monde a joué avec les musiques de Star Wars sur Twitch. C'est pas sur Twitch qu'il y a d'avoir des problèmes au niveau du strike ou quoi. C'est sur YouTube. Et YouTube m'a dit pour la dernière rediff. Eh, il y a une minute de truc où t'as pas le droit, même si tu joues à un jeu Lego Star Wars. Donc j'ai dû supprimer ce passage, en fait. Purement et simplement. Mais non, normalement, je suis pas censé être punissable. On s'est encore jamais fait strike sur tout Twitch. C'est toute l'histoire de Twitch. Il y a jamais eu un strike parce que quelqu'un jouait avec la musique du jeu. Je suis toujours vachement méfiant avec ça. Mais pour ce jeu, vu que tout le monde joue avec, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Mais bon, peut-être que j'ai pas raison, hein, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, hein? Bon. C'est pas que ça devrait être un petit peu normal selon moi, mais tout de même. Oh, ok. Je parle du fait d'avoir le droit de jouer à un jeu avec la musique du jeu, hein. Sur Twitch, hein. Ça me paraîtrait assez normal, que ce soit Star Wars ou pas. Ça me paraîtrait être un petit peu de bon sens tout de même. Enfin bon. Voilà, voilà. Mais bon, apparemment ça l'est pas, donc qu'est-ce que je vous dise. Talin, 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 panam, pam, padapatin. Oh! Oh, R2 Strapéo. J'arrive, les bébous, hein! Ici votre capitaine. Ah. Si vous avez entendu des sons étranges, il s'agit de turbulences liées à une invasion. Bah oui! Oui, oui, d'accord. Allez, allez, allez! Qu'est-ce que tu veux, toi? Oui, oui, bah allez, allez. Je ramasse mon pognon, moi. Ils ont abordé! Oui, mais j'ai le sens des priorités, je suis de la princesse, je fais ce que je veux. D'accord? C'est fou, ça. Je casse tout. Ça va bien se passer. Oh, ils me font de la peine, ils sont paniqués, les pauvres. Tadam. Oh, parfait. Ça va, les bébous? Ouais, ouais, pas de problème. Excusez-moi, les bébous, hein, je suis occupé. Oh! C'est le moment où je vais pouvoir tirer sur leur casque et le casque va sauter et tout, c'est ça? Oh, attendez, quoi? Oh, il est en pyjama! Oh, il est beau ton pyjama couleur rebelle! Vraiment beau, j'approuve! Ils ont peur, ils me font trop de peine! La petite moue qu'ils font, je te jure, c'est super triste! Y'a un truc à débloquer là? Non, y'a personne, y'a rien. Y'a personne. Ah, bah, j'ai le gars. Et là? Non. Ok. Non. Vraiment, la princesse qui est pas du tout en panique, qui se balade dans le vaisseau et qui casse tout ce qu'elle croise! Pas de panique, hein! J'étais pas prêt. Parce que Dark Vador, rien de solo. Non, il n'y a jamais eu de strike, mais il y a déjà eu un DMCA pour des sirènes de GTRP, donc bon, tu rigoles. J'ai pas envie de faire ça, mais je vais être obligé, quoi. C'est genre aller dans options et faire options audio et musique et tout mettre à zéro, quoi. Ou alors je la mets très très bas, mais c'est complètement con, quoi. Maro, Madame Loclo, c'est fou, ça. Il y en a encore qui viennent après, quoi. Maro n'est même plus sur le stream, il y a quand même des gens qui débarquent. Bonsoir, le blanc, merci beaucoup pour la présence. Et bah écoute, il a relancé le débat entre Maro et Madame Leclos, mais bon. Non mais du coup, pour revenir à la musique, j'ai pas envie de faire ça, quoi, ça me saoule. Hein. Et j'ai pas envie, hein. Puis normalement, je suis censé être prévenu plutôt que d'être sanctionné, normalement, hein. Et d'ailleurs, quand je regarde les rediffs, d'ailleurs, la rediff Twitch ne m'indique pas qu'il y a un problème, d'ailleurs, au niveau du son. Donc bon. Aujourd'hui, il ne devait pas être un stream avec Madame Leclos. Je ne sais plus sur quel jeu. Oui, Heavenly Bodies. On va faire ça la semaine prochaine, c'est prévu. Oh, mais juste Brady. Merci beaucoup, juste Brady. Faudrait que ce soit juste Brady parce que ça s'écrit avec un E, là, pour le coup. Voilà, c'est Just Ibrady, peut-être. En tous les cas, bienvenue Brady, ou Ibrady, ou Ibrady, ou qui que tu sois. Bienvenue. Merci pour le follow, Clo. Tu arrêtes de l'emmerder, ma princesse Leia, s'il te plaît. Parti. Rentre dans le feu de l'action, là. C'était mercredi, je crois. Ouais, ouais. 900% sérieux. Après, c'est le DMCA de VOD. En toute logique, en live, t'es good, mais bon. Ok, ça marche. Bah, on verra, hein. Déplacer. Oh. Piou. Arrêtez-les. Piou. Voilà, regardez, on peut voir qu'ils ont des familles, regardez. Alors, on a une histoire des familles et on s'est engagé et on est un humain comme un autre. Eh bah ouais. Bah ouais, mauvais choix. J'ai choisi le mauvais côté. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Faut toujours choisir le côté de Floclo. Eh oui, je me rave la gueule. Eh oui, bien sûr.
bah... Papa, t'as l'air un peu énervé. Ah mais oui, il est vraiment énervé. Oh non. Pouvons-nous commencer les négociations ? Non, Capitaine Antilles ! Oh non ! Ah ouais, c'est chaud. Ah même pour des Legos, c'est chaud quand même. Moi c'est juste les vedettes qui sont DMCA en live, t'es ok. Ok. Au pire, je vais supprimer les rediff Twitch. Hein. Il me semble coincé. Oh non mais putain, Vador. Maro, madame le clou. Toi aussi, Brady, toi aussi, t'es corrompu par Maro, c'est terrible. Mais bienvenue quand même, hein. Bienvenue quand même. Ouais. Ça, c'est drôle. C'est très drôle. Bon bah, j'ouvre, hein. Et bam. La thune. Youh. Parfait. Allons-y. Oh oui, Vador, c'est Popa. Oui, c'est Popo, Silène. Tiens, dans ta gueule. Qu'est-ce que tu veux... Oh, il est paniqué, il me fait de la peine. Attends, je pouvais faire E, apparemment. E? F? Non, c'est F. Pardon, attendez. Attendez, je vais essayer. Je vais essayer. F. Oh. Oh, d'accord, what? Bam, boum. Bam, boum, bim. Bim, bam. Voilà. Oh, je suis énervé. Portée? Oh, quoi? Je peux m'habiller en Stormtrooper? Tu rigoles. Attends. Oh, le Capitaine Antilles. Portée? Mais non. Je peux me fringuer en Stormtrooper? C'est cool. Dans les vieux jeux Lego, je sais pas si vous aviez la ref. Vous en avez déjà parlé, je crois. On pouvait enfiler un casque. On enfilait juste le casque. Voilà, une grenade. On enfilait juste le casque du Stormtrooper. Et les types en face étaient convaincus qu'on était les Stormtroopers. Et on pouvait passer à côté d'eux sans qu'ils nous attaquent. Piou piou piou. Mais bon, il y a des trucs à ramasser. Moi, je suis essayé, hein, je ramasse des trucs partout maintenant. Hein. Ok, le casque. Bah, il manque le froc de Padmé. Princesse, donnez-moi votre pantalon. Pardon. Je suis désolé. Pourquoi tu tires où là? Ok, ok, ça donne des pièces. Oh, oh, attendez, quoi? Le pantalon? Ça y est, je suis un Stormtrooper. Ça y est. Oh, bah attends, du coup, je vais habiller Leia aussi. Et du coup, ils m'attaquent plus, non? Attendez. Voilà. Mais pourquoi il veut pas l'habiller? Parce que c'est Leia, peut-être? Pourquoi? Ah non, c'est bon. Voilà, ok. Il manque que le casque. On va aller voir dans les autres couloirs. Oh, je peux reconstruire quelque chose? Ok. C'est cool, vous êtes des nouveaux viewers, mais oui! Vous allez mourir avec ça. Je suis un envoyé spécial MDR. Mais je vois, mais t'inquiète pas, t'es pas été le seul. Hein. On a déjà eu toute une ribambelle de commandos. J'étais, je sais pas, moi, peut-être une petite dizaine de potes à Maro de fusion qui ont débarqué juste pour dire ça. Mais y a pas de problème, moi, vous êtes des gens sympathiques, je le sais bien. Voilà, Maro a fait de la pub, ça fait plaisir. Mais bon, si vous pouvez rester pour le contenu aussi, c'est bien, hein. Si au final vous vous dites finalement il est sympa le mec, pourquoi pas quoi. Moi sur le principe je suis pas contre, hein. Allez, je voulais explorer, hein, quand même. Parfait. Depuis quand Leia elle fait du judo? Oui, dans le 2008, elle est en robe. Bah quoi, elle est en robe? Oui, elle est en robe. Elle est en robe dans le film aussi. Si je dis pas de bêtises. Ah, par rapport au fait qu'elle peut pas enfiler la tenue. Bah au final elle peut, hein. C'est comme un short pyjama, tu le fous par dessus apparemment. Piou piou piou. Voilà, parfait. Oh, regardez, mais je vais finir le niveau. Regardez tout en haut là. Au niveau du trou de Jedi là, vous savez. Quand on finit avec le 100% de pièces récoltées entre guillemets. Allez, allez, on casse. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose à casser? Oh là-haut. Oh, je peux pas atteindre. Oh, crapin, si. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Y'a rien de l'autre côté? C'est quoi ce machin? What? T'es quoi toi? 1 sur 4? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Tu comprends pas? What? Y'a des pizzas! Mais quoi? Des pizzas à l'effigie de Stormtrooper? Et y'a une peluche! Mais quoi? C'est insupportable le son, hein! Désolé les enfants! Piu piu piu, piu 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 piu. Piu 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 également. Ok. D'accord, je dois passer par là. C'est vraiment très fort le son, hein, je suis désolé. Hein. On va attendre que ça monte et je passe. Ok, let's go. Oh là. Ok, let's go. Véritable Jedi, bien joué à moi. Et hop là. Oh, Lego Star Wars 2, regardez. Oh, c'est trop bien.
C'est une référence aux jeux de l'époque. Oh quoi, il y a des jeux dedans. Oh, il y a plein de jeux. Eh, c'est un giveaway, les viewers. Vous allez pouvoir gagner des vieux jeux Lego. Bah, je vous ai déjà, enfin, j'ai déjà joué au jeu. Hein. Salut, salut. Bonsoir, The Shelby. Bienvenue, The Shelby. Bienvenue sur le stream. Est-ce que tu fais partie du commando de Maro ou pas du tout? Est-ce que tu tombes sur le stream par hasard? Est-ce que tu viens de TikTok? Est-ce que rien de tout ça? Mais attendez, je comprends pas. Une fois que j'ai fait ça, je vais où? Oh, un casque! Je sais pas d'où il sort, mais j'ai, voilà, j'ai la full tenue du coup. Parfait. Ah oui, d'ailleurs, j'ai. Mais là aussi? Mais je comprends pas ce qui se passe, hein. Tu marches moins, c'est bien. Mais non, il a perdu la tenue, ce con! Ah, mais parce qu'il l'a fait tomber! Oh, mais c'est pour ça, d'accord. Ok. Il a voulu me suivre, il est mort, ce débile. Ouais, c'est vraiment ça. D'accord. Et les gars, c'est pareil. D'accord. Ok, on va régler le problème, hein. Excusez-moi, encore une fois, le son est très fort, je suis désolé. Voilà, on descend. Voilà, viens. Ok, ça a l'air d'aller maintenant. Putain, le son. Quoi? Mais quel sac à merde. Putain, j'ai vraiment fait ça, quoi. Antilles, il a fini dézingué. Putain, c'est terrible. 100% sur Lego, c'était le feu sur DS. Oui, bah oui. Mais oui, il y a un mec qui a bossé sur certains jeux Lego sur TikTok et il est suisse, voilà. Ok, merci pour l'anecdote, close. En bas, tu vas en bas. Oui, mais en bas, ça ramenait aux autres côtés, si tu dis pas de bêtises, regarde, Silène. C'était relié à d'autres... Ah non, mais non, c'est un coin complètement différent. Capitaine, s'il vous plaît, ne dites plus ça. Quoi? Attendez, mais en fait, le vaisseau est immense, c'est ça? En fait, il y a plein d'endroits à explorer, c'est ça, en fait, ce qui se passe. Mais non, regardez. C'est là où j'étais tout à l'heure, bah oui. Et du coup, ça mène bien au même endroit, ça mène à là, regarde, Silène. Eh oui, j'avais raison. Tu vois? Oui, d'accord, ok, mais alors... Alors, ça ne servait à rien du tout? C'est très bizarre. Je suis, perplexe. Est-ce qu'il faut que je descende? On va descendre d'abord, ok? Hop. D'accord, actionné. Attendez, quoi? Je maintiens E, ça lance une grenade? Wouah, d'accord, ok. Juste E une fois. Bam. Oui. Et ensuite? Rapin. Oui. Ah, d'accord, c'est pour couper le courant. Ah non, d'accord, ok, donc moi je reste dessus. Et mon camarade, le capitaine, j'ai fusionné les deux mots. Ah, je l'avais celui-là. Mais oui, c'est un très bon jeu. Très très bon jeu. Ah, mais faut, là c'est le bon chemin. C'est pour le couper complètement, je suppose. D'accord, ok. Non, mais je veux pas aller là de ce côté-là tout de suite, du coup. Voilà. La thune, le pognon, le pactole. Voilà, pareil. Pas que je me trompe de baril, parce que tout à l'heure il m'a explosé au visage. Bah les enfants, je sais pas hein, pour le niveau. Hein. Je sais pas. On va continuer, je pense que c'est le bon chemin. Mais non mais attendez, là-haut, il indiquait qu'il y avait... je sais plus remonter. Ah, j'aurais dû aller en haut d'abord, c'est ça? C'est vraiment ça? Je suis bloqué là, du coup, dorénavant? Oh non, putain. Si j'avais su, je serais allé en haut d'abord. Ah, je suis deg, hein. Je suis deg, moi, je vais tout voir dans les jeux, hein. Oh! Oh mon dieu! Oh merde! Oh, c'est censé être de l'humour, mais c'est terrible! Oh, non, c'est le gars au pyjama! Non! Ouais. Qu'est-ce qu'il faut? Mais ils jouent avec une grenade, qu'est-ce qu'ils font? Mais n'importe quoi, hein. Oh là là, d'accord. Ok, donc là j'ai un choix à faire, c'est ça? C'est ce qu'on avait vu dans le trailer, ça doit être ça. Dame, le chemin est bloqué. Dame? Trouver un moyen de continuer. Ouais, pas de soucis. Alors utilisons les plans de l'Empire à bon escient. Oui, mais du coup là tout le monde s'est fait marave par Vador, très bien. C'est cohérent, mais c'est terrible à voir, hein. Je vais voir la scène au bout, moi, jusqu'au bout. Voilà, c'est parfait. Hop, juste ici également. Le truc sur le toit, non? Ok, donc là, j'ai un choix à faire. Soit je vais à droite, soit je vais à gauche. On fait quoi, les enfants? Droite ou gauche? Est-ce que je prends le chemin avec le feu? Ou est-ce que je prends celui-là? Oh, ok, vous savez quoi, franchement, les enfants? Pas ça? Comment je passe? Je peux pas passer? Attendez, comment je suis censé passer? Je sais passer qu'à droite, j'ai pas le choix, c'est ça? Ah, peut-être, j'en sais rien en fait. Hop!
Ok. Je construis. Ah oui, c'est ça. Canon à eau, tourelle laser. Eh, hey, tourelle. On est des gens vénères. Droite, milieu, gauche. Ah bah super, merci le chat. Il y en a un de chaque au moins. On dirait plus une lune qu'une étoile, à mon avis. Lune qu'une étoile. Oh, c'est une étoile noire, c'est cool. Montez. Let's go! Piu piu piu! Il m'attaque pas parce que j'ai un casque, c'est ça? Parce qu'il croit que je suis un Stormtrooper? C'est ça la vie? C'est vraiment ça? Incroyable le gaming! Ici votre ancien capitaine qui vous parle. Veuillez accueillir chaleureusement l'Empire. Mais bien sûr! Mais bien sûr! Mais bien sûr, monsieur Vador, vous faites un très mauvais capitaine, si je peux me permettre. Et hop, on récupère ça. Attendez, si je fais ça actionner, ça fait quoi? Oui. D'accord. Nous devons couper l'alimentation de cette porte. Pas de problème, faisons ça. Oh, attendez, est-ce que je suis, vu que je suis déguisé en méchant? Mais oui, ça marche, vu que je suis déguisé en méchant! Mais oui! What? Fusil blaster E11 ou carabine E3? Mais what? Sérieux là? Non, c'est le gars du pyjama et la lumière droite. Oh, mais je prends quoi du coup? E11 ou E3? Ah! Je connais les deux vrais modèles. Ils ressemblent pas forcément d'ailleurs. Blaster? Ok, fusil blaster. Ça marche, vas-y, vas-y. Ok. Et du coup? Oh, attends. Ouais. Et ensuite, quand j'arrive à là, il se passe quoi? Ça l'a consommé jusqu'au bout, c'est ça? Ah ouais, d'accord, ok. Ah ok, faut savoir. Bah du coup, je prends l'autre. Très bien. Bah du coup, on saura dorénavant. Et donc la E3, elle fait quoi? Normalement, c'est du rafale. C'est ça. Ok, c'est ça. Atsus. Et bam. Alors, je voudrais juste quand même aller faire tous les chemins possibles. Mais il y a encore des chemins à gauche et à droite. Mais qu'est-ce que c'est grand quand même pour un petit vaisseau. Attends, faut que je remasse mon arme quand même. Moi, je vais pas me balader sans, hein. Piu piu, piu piu. Ah donc les méchants ils ouvrent des caisses d'armes ou quoi? C'est incroyable. J'adore ce concept, c'est trop bien. Ok, et là c'est bon, j'ai fait le tour, c'est bon. Ok, alors je vais pas faire ça tout de suite parce que je pense que ça va ouvrir la pièce. J'aurais voulu faire le chemin avec les flammes. Oh le gros, le blaster. Ah merde, je pensais que le blaster c'était le gros. Ah bah voilà, bah comme ça au moins. Voilà. Donc là normalement je peux reconstruire. Non? Attendez. Si je jette mon blaster, reste là, construire, et là je fais le canon à eau. Ça envoie les deux côtés. Ok, et donc c'est à nouveau un... Ok. Ok. Et là c'est parti. D'accord. Parfait. La thune, évidemment on crache pas dessus. Et je ramasse mon arme. Parfait. Ah du coup le déguisement a vraiment une utilité, c'est cool. Bon, du coup mon blaster m'aura pas suivi hein. Mais on aura pas servi, pardon, qu'est-ce que je raconte? On aura pas suivi. Oh, c'est un gonk! Monter? Comment ça monter? C'est génial! Oui! Oh, j'en veux un chez moi. Je veux un gonk, personnel. Tu peux te casser? Ah, oh, je veux pas, pardon. J'ai pas envie. Oh! Bon, du coup, l'arme, effectivement, n'aura pas servi du tout, mais c'est pas grave. Ok, il y a des trucs que je peux avoir. Là. Oui, là, là. Parfait! Ok, bah on a tout, non? Il manque juste ça. Ok, là je pense que j'ai tout. J'ai rien dit. Là je pense que j'ai tout. Et c'est parti. Ok, là quand même, ça marche quand même comme si j'étais un rebelle. Ok. Vers le bas. Et donc vous voyez, du coup, je vais gagner des crédits grâce au truc que j'ai bloqué tout à l'heure. Il est fort, le monsieur Loclo, il est fort. Il est très très fort. Et voilà, j'espère que vous avez suivi la Corée chez vous, évidemment. Parfait. Qu'est-ce que je viens d'ouvrir? Oh! Merci beaucoup, Sparkingson! Oh merde! Faut que je spam! Merci beaucoup pour le sub, c'est très gentil! Oh, c'est bon, merci beaucoup, Spark! Merci beaucoup, Spark, c'est très gentil d'être venu! Ah, du coup, j'ai bien fait de faire ça dans cet ordre! Sans le savoir, j'ai bien fait! Bravo, bon boulot à moi! Hein. Ok, ça ouvre, parfait! Tu te souviens du mot de passe pour ce truc, 318? Oh, attendez! 318, je suis 764. D'accord! Tu te moques de moi? Ok, donc ils ont perdu le mot de passe. Non, je suis 184. Ah.
D'accord, donc ils n'arrivent pas à se reconnaître. Parfait. Comment ça va, Spark? Merci beaucoup pour le stop, c'est très très gentil. Serana ou Lydia? Comment ça, Serana ou Lydia, Close? J'en connais ni l'une ni l'autre. Comment ça? Attendez, je vais juste vérifier un truc. Est-ce que je me balade à côté d'eux? Comme ça, normalement, ils vont pas m'agresser. Et oui, ils me prennent pour un Stormtrooper. Lui aussi? Lui aussi, ok. Bah écoutez, on en profite. Tout, tout, tout. Si je veux, je peux passer à côté d'eux sans rien faire, quoi, sans rien dire. Là, 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 je suis un Stormtrooper. Est-ce qu'il y a des trucs si intéressants que ça, ramasser dans la pièce? Je pense que oui. Mais j'ai pas envie de les tuer. Est-ce que je peux juste taper ça? Et tu vas rien dire? Ok, tu vas rien dire, parfait. Voilà. Construire? Ok. Je les ai poussés hein, avec la construction. Oh, les murs à l'Akbar. Nous en sommes bien conscients, amiral. Bah, ce... Cette scène alors... Oui? Ah. Oui, alors, Amir Lakbar, comment vous dire? Ils ne savent pas que c'est moi. C'est pas le moment de m'appeler comme ça, amiral. Vous êtes un traître rebelle. Non. Oh putain, putain. Terrible. Les vannes avec les hologrammes. C'est vrai que les hologrammes, c'est une... C'est un peu space, hein, comment ça fonctionne la technologie quand même, quand on y pense. Hein. Bon les bébous. Ouais, non mais ça vient se passer, amiral Akbar. Je me sens en fait pas libre dans mes moyens, là. Dans mes mouvements. À cause des impériaux à côté. Mais en vrai, j'ai l'impression que je peux tout casser, ils vont rien dire. En même temps, c'est pas leur vaisseau. Donc ça se tient. Bah, que j'oublie derrière, évidemment. De rien, MDR, je sais jamais à qui les donner, donc c'est pour toi, MDR. J'attends un promo pour s'être confirmé maintenant, bien sûr, évidemment. Évidemment, tous les membres de la Doom ont du sub à la chaîne, bien sûr. Pas du tout, non mais merci beaucoup, Spark, c'est très gentil. Et pour le coup, bah, sache qu'ici, ça sert. Que ça mène à manger, donc donc clairement, ça sert, merci beaucoup. C'est pas de l'argent perdu, crois-moi. Merci beaucoup, ça me touche de fou. Par contre, du coup, comment je suis censé faire? Je dois parler à l'amiral Akbar, c'est tout? Je voulais rien rater, et je vois qu'il y a des mecs en haut, donc je me dis qu'il y a des choses à faire, surtout qu'il y a des choses au sol, et on va voir, on va voir. Amiral, WSD, ok, donc faut que je vous pousse. Ouais, ok. Juste ici. D'accord, et ensuite je le pousse là, c'est ça? Ok. Je sais pas ce que c'est le plan, mais on va voir. Jamais joué à Skyrim? Non. Voilà. Ce n'est pas du tout mon genre de jeu, Close. Du tout, du tout. Mais c'est bien, hein, je sais, hein, c'est des très bons jeux, hein, mais ce n'est pas du tout mon genre de jeu. Bah, excuse-moi, hein, tu es devant. Voilà. Donne-moi l'envie de te faire du mal. Voilà. Parfait. Et maintenant, de l'autre côté. Voilà. Et on va débloquer complètement la porte. Et on n'aura même pas tué un Stormtrooper. Ça a envoyé des renforts, mais vu que je suis habillé en Stormtrooper, ils ont rien dit, c'est ça? C'est vraiment ça. Tout va bien, hein. Paniquez pas. Bah, je ramasse les pièces au passage, on va pas cracher dessus. Hein. Ah, de l'autre côté aussi? Oh, attendez. Petit droïde gonk. Pareil, je ramasse la thune sur le passage, hein, encore une fois. Hein. Parfait. Ici aussi. Ici aussi également. Oh quoi, faut être 4? Alors, est-ce que je fais ça? Ça? Je pense qu'il y a un objet à venir mettre dessus. Le gonk! Bien sûr! Oh, faut aller chercher l'autre! Mais oui, c'est ça! Attendez. Je ne fais que passer. Je ne suis pas un rebelle. Pas du tout. Le gonk, vous vous souvenez? Mais oui! Mais oui, c'est ça! Si on sait, on est promis, bien sûr. Perds tout respect que j'ai pour toi si tu as jamais joué. Eh bah, DSL close. Je n'aurais plus ton respect dans ce cas. C'est dommage. Ah, tu vas pouvoir t'acheter un paquet de pâtes, c'est génial ça, exactement. En vrai, même pas. Ça donne même pas de quoi acheter un paquet de pâtes. Pour info. Ah, Flo, je suis déçu, mais je comprends. Mais je suis tout de même un peu déçu, un peu. Non, mais oui, je suis pas du tout ce genre de jeu, je suis pas du tout ce genre d'univers. Tout ce qui est médiéval, fantasy, etc. De façon générale, c'est pas du tout mon style. Les dragons, les machins, c'est vraiment pas mon genre de jeu. Mais je sais que c'est très bien, hein. Encore une fois, hein, je critique pas ça. Hein. Mais c'est pas mon style. C'est pas mon style, voilà, c'est. Partie des rares choses que j'accroche pas les masses, quoi. Auquel j'accroche pas les masses. Et voilà le cerveau que j'ai! Le brain! Vous vous rendez compte du brain que j'ai? Incroyable! 1 sur 5! Trop fort en fait, juste trop fort! Salut, bonsoir Mr. Creeper! Ah, Mr. Creeper? Toi, je sais que tu viens de TikTok! Bienvenue, Mr. Creeper! Merci beaucoup d'être venu! J'ai vu que t'avais follow, merci pour le follow aussi! Je t'ai remercié au début du live! Mais t'étais pas là, donc voilà!
Voilà, les pizzas, parfait. On ramasse tout. Et voilà. Et normalement, on est bon. Parfait. Et bah, c'est bien. On est bon. Merci les gonks, j'adore ce que vous faites. Ouais, bon bah c'est bien. Je suis content que tu sois là, Mr. Creeper. C'est bon, on peut ouvrir maintenant? Ah non, faut que je pousse l'amiral Akbar, j'ai même pas fait. Excusez-moi, amiral, hein. Toutes mes confuses. Donc là, il y en avait un autre avant aussi, mais c'est trop bien. Mais oui, c'est trop bien, mais je sais bien. Mais c'est pas mon genre, Skyrim. Je sais, ma petite Silène, t'inquiète pas, je sais que c'est bien. Et j'ai déjà vu des gens y jouer d'ailleurs. Mais c'est juste qu'elle m'attire pas du tout à y jouer, j'ai vraiment pas envie. Voilou. Voilou. Ok, on est bon? Allez, on continue. Parce que je prends vraiment tout sur le passage, peut-être, hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, d'accord. Il se la joue Splinter Cell. Bah écoute, moi aussi, sauf que moi j'étais plus intelligent que toi, c'est pas une caisse, c'est un déguisement. Voilà. Donc je vais pas t'attaquer, évidemment. Sinon tu vas mal le prendre, mais... Attends, me dis pas que ça explose, ça. C'est ça qui explose? Ah oui, c'est peut-être ça qui explose, je suis pas sûr. On va bien viser avant de taper, sinon je risque de taper les Stormtroopers par inadvertance. J'ai cru que c'est ce qui s'était passé, j'ai eu très peur. Pas très peur, c'est pas très grave, on devrait les tuer, mais enfin bon, moi j'ai pas envie. Si on peut ne pas les tuer, tant mieux. J'ai envie de vous dire. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh non. Y'a un Ewok. Oui. Bien sûr. Allons-y, princesse. J'arrive. Quelle heure il est? Oh, mais c'est presque 23h. On n'aura pas le temps de faire notre niveau. J'ai pris le temps, hein. J'ai vraiment pris le temps. Mais je suis content, franchement, c'était un super stream. Il est pas encore fini, hein. Partez pas, hein. Bientôt. Mais vraiment, je suis très content de ce stream. Je suis très content qu'il y ait autant de monde et tout. Enfin, vraiment, ça fait super plaisir. Je suis vraiment ravi que vous soyez là. Piu piu. Piu piu encore, parfait. Et on est bon, on a fait tout le tour. Voilà, fin du niveau. Moi j'ai pas de vie, j'ai 1 milliard de pièces sur ce jeu. Ah, oh. Moi je suis en train de débloquer les x2, x4, etc. Hein. Spark. Mais c'est bien joué à toi, hein. C'est qui joue moi qu'en live. Je me spoil rien donc voilà. Pour vos beaux yeux en plus. C'est pas les bons plans ça les gars. Les étoiles de la mort ne sont pas dans l'ordinateur central. Oh non le pauvre. Non pas les pièces. Ah, les pièces si durement récupérées. De quoi parlez-vous? Elle le vous voit maintenant. Ah bah non, je joue les droïdes. Oh, Seigneur, ils ont cru que c'était Solid Snake, mais oui. Complètement. Bref. Je me balade. Je prends les pièces et 3 PO. Ah, je sens qu'avec R2 ça va être un peu long, mais c'est ok. Genre ça là. Ouais. Je peux taper en haut? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je puisse. Non, je pense pas. Oh, c'est pas grave, je sacrifie les pièces de ce niveau. J'avoue. Est-ce que c'est par flemme? Peut-être un peu. Attends, j'ai ramassé tout le reste, hein. Ok. 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 Ça m'électrocute, ça, je suppose. Ouais, ça a pas l'air très accueillant, donc oui, je pense qu'on va partir du principe que oui. Le feu, ça doit pas être bien bon non plus. Qui va là? Ah, ce ne sont que des droïdes. Oh. Ils t'ont fait peur? Non, bien sûr que non. Bien sûr. Pourquoi j'aurais peur? Ta boîte de conserve pensante. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, hein? Nous endormir en traduisant? Oui. Lui, il est pas serein, lui. Ouais, seule machine super intelligente. Quel goujat! Quel goujat! Bah oui, je suis bien d'accord avec toi. Cette sale machine super intelligente. Voilà, parfait. Et... C'est parfait. Bah, depuis que j'ai compris comment ça fonctionnait, bah, ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. Re-émerge, j'arrive à la fin. Mais oui, jeune loup! Quelle idée de partir aussi en plein milieu du stream. Mais... Non mais ça fait plaisir que tu sois revenu. Je me dis que c'est peut-être pas si mal que ça ce que je fais. Du coup, merci beaucoup. Oh, l'alarme, ok. Alarme incendie. Alarme incendie. Je mets à courir dans tous les sens. C'est marrant. Ok. Attends, est-ce que je peux aller à droite ou tout droit? Ok, on va aller tout droit. À droite, c'est la quête principale. Qu'est-ce qu'il y a à prendre là-dedans? On casse tout? Tu es malade? Attends, quoi? On peut traverser juste par le milieu ou par la droite, c'est tout? Moi, je veux ramasser l'argent. Donnez la thune! Y'a pas de thune, y'a rien à débloquer. Vraiment, y'a rien là? Y'a vraiment rien du tout? Vraiment? Rien de caché, rien? Ah, j'aurais été le développeur, j'aurais caché quelque chose. Ok, ok, y'a rien, d'accord. Et vers la droite, ok. Y'a un truc là? Non, y'a rien. Et c'est parti!
les modules de son temps. Oh, merde! Pourquoi? Tiens, dans ta gueule! Ça va toi? Je voulais pas te déranger, hein. Mais qu'est-ce qu'il veut? Je vais te marave. Tiens. Toujours le même coup en boucle. Parfait. Strapé en tout cas, ne m'aide surtout pas. Ok. Oh. Ah pardon. Pas le module que vous cherchez. Ça c'est marrant, putain, ils font des refs à Star Wars, c'est super drôle. J'ai cassé son mood, je suis désolé. Il y en a d'autres des portes que j'ai ratées qui étaient drôles ou pas? Il y a toujours des Stormtroopers qui se douchent dans tous les jeux, quoi. Hello my friend, hello Damoclès. Welcome to the stream, Damoclès. Comment tu vas, Damoclès? Bienvenue. Ah! Oh! Oh! Oui! Le mini-kit, je l'ai vu! Écartez-vous, je l'ai vu! Je l'ai vu! Donne le mini-kit! Voilà, donne le mini-kit! Bien, brave bête! 2 sur 5, normalement. Voilà, 2 sur 5. Ok, et maintenant, ok. D'accord, je construis ça. Parfait. Et voilà! Merci, ça va super, et toi? Mais ça va très bien! T'arrives juste sur la fin du stream, c'est juste ça, Damoclès! Tu te perds tout le temps! C'est toi qui dis ça, Stropéo. Quelle hypocrisie, c'est vraiment, c'est, ça me dégoûte. Voilà, le dernier, et voilà! Parfait! Et bam! Voilà, la capsule de sauvetage! On va partir avec les plans! Heureusement que R2 est là, hein, parce que sinon Star Wars n'aurait pas avancé sans lui. Hein. Si R2 n'avait pas été là, les rebelles auraient jamais gagné. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une machine à laver, mais putain, mais Lego! Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah. Je suis membre du Sénat impérial en mission diplomatique à Alderaan. Papa. Vous êtes lié à l'Alliance Rebelle et vous avez trahi. Emmenez-la. Oh mon Dieu. Elle a dû cacher les plans dans le module de sauvetage. Envoyez une patrouille pour les récupérer. Regarde avec sa main ce qu'il fait. Voilà, c'était sûr. C'était sûr. Ah, triste, c'est vrai. Mais oui, c'est la fin du stream. Ah non, regardez, c'est trapé haut. On ira sur ta tweet la prochaine fois, hein. Tout de même, hein. Ah mais non les gars, on s'arrête là pour ce soir, hein. C'est plus le logo dans le décollage, c'était le logo d'une machine à laver, trop bien la ref. Ah mais ils sont bons, hein. Ils sont très très forts. Et là, regardez. Véritable Jedi. Bien sûr. Mais juste bien sûr, en fait. Trop fort. Trop fort en jeu. Je m'impressionne parfois, nouvelle stratégie suggérée. Ok, j'ai pas eu le reste. Je m'impressionne parfois, c'est assez vrai. Mini-kit, ok. C'est pour avoir quoi? Peut-être que c'est pour avoir un gonk, je sais pas. Et c'est 3PR2L2. Ok, j'ai eu tous les autres. Et j'ai le Tentive, ok, super. Le Tentive 4, le vaisseau. Ouais, vas-y, bip et siffle. Allons par là. Mais crois-moi, nos circuits seront vite grippés. Bien sûr, bip. Ça suffit, silence. J'en ai vraiment assez. Oh bah super. Pauvre tas de Firelniop. Agressif, c'est 3PO. Oh bah les bébous. On a fini le premier niveau, si je dis pas de bêtises, hein. Ça me donnerait que ce soit la suite du premier niveau vu qu'on est arrivé sur Tatooine et que je peux faire rejouer. Voilà, c'est ça. Du coup, on va pouvoir s'arrêter là, les enfants. C'était un giga bon stream, je suis très content. Quelle heure il est? 23h03. Bien, bien. Très bon timing, monsieur Leclo. Hein. Je m'auto-congratule si je veux. Hein. Hop, voilà. Et on va juste vérifier quelque chose. Maintenant que j'ai débloqué le x2, j'avais dit que je voulais débloquer au début du live les personnages. Ah, je te passe, je suis en histoire. Et que je voulais débloquer les personnages type clone. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas fini le niveau? Parce que j'ai l'air vraiment bloqué en mode histoire, mais je pense pas. Parce que c'est par rapport à ce que j'ai sélectionné dans les menus. Je pense honnêtement. Y'a des trucs à ramasser là? Ouais. On fera ça la prochaine fois. J'ai ramassé la thune, c'est déjà ça. Bon bah les bébous! On va recouper ça, hein. On va revenir au menu principal. Vraiment, tout a été sauvegardé. C'est parfait. Merveilleux. Oh tristesse. Mais oui, point faible, trop fort. Bonne nuit à toi et madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathanaël. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à toi et à mademoiselle, du coup. Mais bien sûr, je transmettrai. Je pense que les enfants, il n'y a pas de problème. Je vous remercie à tous et toutes les enfants quand même, parce que mine de rien, vous avez été giga nombreux. Et vous êtes toujours aussi gentils et généreux dans le soutien et dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Et vraiment, j'ai des gens qui me suivent qui sont d'une gentillesse incroyable. Et vraiment, ça me fait super plaisir de pouvoir compter sur des gens comme vous. Et c'est trop bien. C'est juste trop bien. Je suis hyper chanceux.
Et non, juste merci beaucoup. Vraiment, ça a été hyper touchant toute la soirée. Vous étiez trop gentils. Il y a plein de gens qui ont l'air d'avoir découvert ce que je fais ce soir. Et j'ai reçu que des retours positifs. Vous êtes trop gentils. Je vous adore. Très très fort. Et les Féliscothèques. Et c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ah, c'est close. Il a trouvé le bouton dans les points chaîne. Il n'arrête pas. J'ai regardé pendant ce stream. J'aurais perdu une prime litige. Mais non, mais c'est fou, Spark. Spark, il débarque, il balance le sub à la fin du stream, forcément. C'était trop bien. Ah, tant mieux, telle porte. Salut, j'ai Mr. Creeper. Bonsoir. Vas-y, bah mec, bonne soirée à toi, je repasserai, c'était cool. Ah, bah bonne soirée, mon petit jeune loup. Écoute, je stream tous les lundis, mercredis et vendredis à 21h. Voilà. Et Mr. Tass, des Yoda, bien sûr, on t'embrasse dans le fond. Regardez-le, il passe par la fenêtre, c'est énorme. Salut, mec. Mais voilà, je stream tous les lundis, mercredis, vendredis, 21h. Et si vous voulez faire plus simple, il y a le Discord juste en dessous. Vous cliquez dessus, vous irez dessus. Il y a des alertes à chacun de mes streams, je vous tiens au courant. Il y a Insta, il y a Twitter, il y a TikTok, voilà. Il y a plein de réseaux pour me suivre et savoir quand est-ce que je suis en stream. Ils sont en train de faire une muse avec les vaisseaux et avec la planète dans le fond. C'est très bien, vous avez bien raison. Je suis gentil, moi, mais bien sûr que t'es gentil, telle porte. Mais bien sûr. Très gentil, même. Musique, oui, j'ai coupé, t'inquiète pas, Nathanelle. Incroyable stream. Eh, mais Fire, le mec qui débarque à la fin du stream. Comment ça va, Fire? Merci beaucoup, quand même. Bonne nuit, les bébous, bonne nuit, Spark, bonne nuit, les bébous. On se voit demain, Spark, évidemment, sur le RP. Fire, peut-être un peu pareil, d'ailleurs, je sais pas. On verra bien. Mais non, merci beaucoup, les enfants, vous êtes adorables. Des bisous, tout le monde, et bien sûr, des bisous. Bonne nuit, les bébous, bonne nuit, les bébous, bonne nuit à tous et toutes. Vous êtes des crêpes, vous êtes les meilleurs, les bébous. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, hein, quand même, mine de rien. Parce que bon, le monde est un monde dangereux, d'accord? Broken. À lundi, les enfants, passez de bonnes soirées. Ciao, bye bye. La rediff est disponible sur YouTube de demain à 17h15, comme d'habitude, évidemment, sauf si j'ai des problèmes techniques comme la dernière fois, ça arrive. Bisous! Bisous, au revoir! Non, pars pas! Si! Pour ma défense, je suis là depuis 21h15, mais je regardais simplement. Mais non, mais Fire, terrible! Bah écoute, t'as bien fait, Fire, si t'as profité, c'est déjà ça. Tant mieux si ça t'a plu le stream, c'est parfait. C'est parfait. Ciao, les bébous! J'arrête de parler, bonne soirée, au revoir! À lundi, bisous, bonne nuit tout le monde, et très bon streamer, merci beaucoup, vous êtes pas des streams, vous êtes des crèmes. Ouais, des gens gentils. Merci, au revoir! Barrez-vous maintenant! Cassez-vous! Bonne soirée, les enfants. Bisous.